Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne AOS Geeks. Mon nom est Vincent. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann. Salut. Et en compagnie de Guillaume. Bonjour. Alors, premièrement, Guillaume, bienvenue sur la chaîne. C'est la première fois qu'on t'a sur la chaîne d'AOS Geeks. Merci beaucoup de l'invitation. Écoute, on a eu la chance de jouer ensemble récemment dans un petit tournoi. Et j'ai vu, bon, tu jouais Skaven, fait que ça nous a donné l'idée de t'inviter pour peut-être que tu nous parles des Skaven, justement, qu'on fasse une petite analyse avec toi. Parfait, donc, parfait. Avant de commencer l'analyse, ben, j'aimerais ça te demander, mais pourquoi les Skaven, ça remonte à quand, ça, cet amour-là, pour ces rats-là? Ben écoute, c'est quelque chose de longue date. En fait, je devais avoir la première fois, là, je suis tombé comme sur un White Dwarf, je devais avoir peut-être 10, 11 ans. Là. Fait que c'était dans une expo agricole, il y avait un stand qui était monté, là je passe, puis écoute, là, il y avait des figurines. Déjà, j'avais un amour quand même, tout ce qui était médiéval, j'avais une passion pour ça, puis là je vois ça, des figurines qui bougent, le monde avait l'air de rire, ça avait l'air super funny, casual. Écoute, moi ça m'a accroché tout de suite, puis là, ben, le gars il me présente, il me dit, ben écoute, pars avec un White Dwarf, j'en ai comme en masse, fait que tu peux partir avec. Puis là, je feuillette un peu, puis comme beaucoup de. C'était comme un focus un peu sur les Skaven, ça a vraiment à donner comme ça. Puis là, je regarde les armées, je suis comme, ah, ouais, des humains, ah, ouais, des chevaliers, ah, ouais, des hommes rats. Ça me parle, ça, c'est vraiment, ça accroche. Ça m'a tout de suite accroché. Puis là, je trouve que c'est une des armées que le fluff est vraiment écœurant. Tu sais, c'est vraiment comme des histoires qui ont aucun sens, ça n'a pas d'allure, c'est tout le temps des plans stretchés à l'extrême. Puis ça m'a parlé, je trouve que ça stimule l'imaginaire. Fait que j'ai vraiment accroché là, rapidement là-dedans. Puis. Au début, je veux dire, t'as 10-12 ans. Fait que là, bon, tu fonctionnes un peu avec les allocations, presque, là, au niveau des achats. Fait que petit à petit, je me suis acheté, OK, ce bonhomme-là, c'est cool. Ah, un rogue, ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait que petit à petit, dans le fond, l'armée a grossi. Je pense que j'ai dû jouer peut-être un 10 à 12 ans, là, Skaven, vraiment dans les éditions comme, je pense que j'ai parti à la 3 ou 4e pour aller, dans le fond, jusqu'à la toute fin, là, jusqu'au End Times, dans le fond, parce que là, j'ai vraiment continuer à jouer Skaven tout le long. Et ça a été vraiment une armée là, que j'ai tripée. Le point où est-ce qu'à un moment donné, là, je m'en suis départi, c'est que j'en avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais je n'arrivais pas à les peinturer. Puis quand tu jouais avec cette armée-là, surtout dans Fantasy, tu en avais rarement en dessous de 180, 200. Fait que là, à un moment donné, j'étais découragé. Fait que là, j'ai fait l'inverse. J'ai joué un guerrier du chaos. Puis là, ben, j'avais juste des élus. Fait que là, j'avais pas trop de bonhommes. Fait que là, ça m'a comme un peu calmé sur la horde, là, en fait, là, pour cette partie. T'as découvert wow, exposition agricole. Oui, hein, je sais que ça fait redneck un peu, là, mais ouais, effectivement. Fait qu'on était sur une entreprise agricole. Puis là, ben, forcément, comme tout bon fils d'agriculteur, je passais mes étés dans les expos agricoles, mais dès l'adon, il y avait ça. Fait que, ouais, ça Vraiment, vient tard. c'est assez inusité, mais c'est extrêmement positif. Exact. Puis t'es un de ceux donc qui a joué à Warhammer Fantasy comme essentiellement tout le long de son existence ou presque. Là, si tu as commencé à la 4e édition, c'est milieu des années 90, si ma mémoire est bonne. La 4e édition, je pense que 3e édition, c'est 91 ou 92. Ça fait longtemps. Puis tu as joué jusqu'à End Time, ça veut dire que tu es un de ceux qui n'a jamais abandonné Fantasy là, à travers toutes ces tribulations. Exact. Au travers du seul livre d'édition qui a sorti la Bretonnie. Non, ouais, je blague, mais tu sais, ouais, Et j'étais un effectivement. joueur bretonnier, Oh mon alors. Dieu, quelle patience, mais oui, effectivement, j'ai fait vraiment toute la. Toutes les éditions qui sortaient, à chaque édition, je repassais les livres. OK, qu'est-ce qui a changé? Puis faire les comparatifs. Fait que, ouais, j'ai eu la chance de, tu sais, de voir cette évolution. Puis de maintenant, ça me fait rire les gens qui disent, ah, ouais, tu sais, les Battletomes, ça sort quand même pas un rythme super élevé. Moi, je me dis, oh mon Dieu, hey, ça sort, là. Tu sais, on aurait eu ça dans le temps de Warhammer Fantasy. Ça aurait été la folie, là, tu sais. On en a plus que un par an maintenant. C'est ce qui était à peu près le rythme à Fantasy dans le temps, là. Puis finalement, avec Age of Sigmar, tu as fini par retourner à tes premiers amours puis à retourner au Skaven? Oui, exactement. Donc, au début d'Age of Sigmar, à ce moment-là, j'avais plus nécessairement d'armure. J'avais comme un peu des Undead que j'avais comme gardé en backup. Puis là, dès la première sortie, je me suis dit, OK, go, je me lance. J'y vais avec qu'est-ce qui vient de sortir, qu'est-ce qui est cool. C'est des gars en armure avec du bling-bling partout. Là, t'sais, des grosses armures dorées. OK, je me lance Stormcast. J'ai fait ça peut-être, je sais pas, là, un 3-4 ans. Puis après ça, là, je les ai vendus. J'étais comme, moi, tu sais, j'ai fait le tour un peu, je pense, Stormcast. Puis là, je me suis dit, ah, ben là, je peux repartir en armée.
Là, j'y ai pensé, mais pas trop longtemps. Go, je me relance dans les Skaven. Je trouvais qu'ils ont quand même gardé un peu le feeling qu'il y avait à Fantasy. Ils ont gardé les figurines, ils ont gardé l'esprit aussi des règles. Puis je suis retombé dans l'armée, là, puis très rapidement, on voit vraiment les parallèles qui se font entre les deux aussi. Puis le playstyle me plaît beaucoup. C'est une façon. J'aime les hordes en plus, là, donc je suis vraiment servi à jouer avec cette armée-là. Ben, on va le voir dans l'analyse, c'est aussi une armée qui te permet de jouer sur toutes les facettes du jeu, autant de la magie, du tir, du corps à corps. C'est une armée Exact. qui est vraiment intéressante. D'ailleurs, on pourrait commencer peut-être à en parler de l'armée, commencer peut-être à parler du Battletome lui-même, là, des ressources que tu as quand tu montes ta liste. Peut-être commencer avec peut-être les allégeances, parce que je sais que les Skaven sont divisés en clans, puis tout ça, là. Fait que Ouais. peut-être nous parler un peu, nous expliquer comment ça fonctionne, puis nous donner ton impression sur quels sont les meilleurs clans, les C'est bon. meilleures allégeances. Parfait. Ben, c'est sûr que le livre Skaven, mon premier au premier coup d'œil là au niveau des clans, des allégeances, des puis tu l'as dit aussi de pouvoir jouer dans toutes les phases, c'est pas nécessairement un livre qui est facile d'approche. Au premier coup d'œil, on se dit OK, là j'ai 1000 options, je suis perdu, qu'est-ce que je fais? On va essayer de le diviser puis essayer de faire un peu du sens. C'est sûr que il y a tellement d'options que c'est dur de tout couvrir là, tu sais, dans une capsule en tant que telle, mais on va disons sortir les éléments qui popent le plus là, si on veut. Fait que, si on regarde au niveau en fait des allégeances pour l'armée, on en a des générales, puis après ça il y en a qui sont appelés comme les voix un peu des clans principaux. Fait que les générales en tant que telles sont toutes excellentes, sont toutes excellentes. Il y en a une, c'est là, je suis désolé, là, mon livre est en anglais, je vais essayer de faire un peu en français, mais dirigé par à l'arrière. Ça veut dire que le look archer s'applique aux héros, non seulement au tir, mais aussi au corps à corps. Fait que, je veux dire, dans le temps, où est-ce qu'on avait dans Malign Sorcery, où est-ce qu'on avait un objet qui nous donnait moins 8 to hit, tout le monde le mettait, ben les Skaven, eux, ils l'ont quand ils sont plein de monde autour. Fait que, déjà là, on part avec quelque chose de très bon. Ça Fait que, protège très bien les héros, là. exactement, exactement. Il y a juste à ce moment-là les monsters, dans le fond, les monstres qui l'ont pas. Fait qu'on parle à ce moment-ci tout ce qui est comme les Vermin King, les Vermin Lord. Mais outre ça équipe bien tous les petits héros. Et fait intéressant, la Plague Furnace ainsi que la cloche, en fait, là, ne sont pas des monstres. Donc, ils bénéficient de ça même s'ils ont 13 points de vie. Fait que bon, ça c'est un petit plus, on le prend. Après ça, on a la règle Scurry Away, qui est aussi une règle que je dois dire qui n'est pas très utilisé, mais qui compose une très grande partie en fait de la force des Skaven, c'est que dans la phase de combat, quand on sélectionne un Skaven-Tide héros, au lieu à ce moment-ci de battre, il peut décider de fuir. Fait qu'un peu comme on voyait dans le temps, en fait, là, le mouvement des Skinks, pardon, qui quittaient le combat, ben, un peu à la même chose, à ce moment-là, il peut faire un mouvement au lieu de faire un pile-in. Fait que ça te permet encore une fois, soit de sauver tes héros ou de faire à ce moment-ci des mouvements. Parce qu'on prend exemple, encore une fois, des Vermin Lords qui font 12 pouces. Ben, il fait 12 pouces, il charge de 2 des 6, puis quand c'est le temps de le sélectionner, il refait un 12 pouces. Fait que juste là, on a fait 24 pouces plus 2 des 6. Donc, ça peut donner des mouvements assez impressionnants. Après ça, on a en fait la règle qui s'applique plus au horde en tant que tel. Donc, c'est la masse là, qui est représentée par ça, overwhelming mass. Donc, on ajoute un à toucher à toutes, à ce moment-là, les attaques de mêlée des Skaven pour les units qui ont 20 modèles et plus, puis plus un pour blesser aux unités qui ont 30 modèles et plus. Ça va vraiment jouer sur leur force. Donc, les hordes, on a beaucoup d'unités qui peuvent aller jusqu'à 40 modèles. Il faut en perdre à ce moment-ci 11 pour perdre le plus 1 pour blesser. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'esprit de l'armée, encore une fois. C'est une belle règle, ça fonctionne bien. Ouais, on voit cette règle-là. C'est un peu similaire à la règle qu'on voit avec les gobelins aussi, là, les Gloom Spite Gits, qui ont plus un to wound par tranche de 15 modèles, si ma mémoire est bonne, là. Donc, c'est un bon principe pour créer l'effet du surnombre vraiment, puis de le traduire en règle. C'est vraiment intéressant. Exactement. Exactement. Puis après ça, on a la dernière règle, la force par le nombre. Donc, au lieu d'ajouter un pour chaque 10 modèles, c'est plus 2, ce qui est encore une fois un peu dans l'esprit, si on veut, l'esquive. Fait que ça, c'est vraiment en tant que tel les enseignements du recornu. Fait que ça s'applique à toutes les unités. Après ça, parce que c'est pas fini, c'est ça qui est merveilleux quand tu joues Skaven, c'est que
tu as des voix ou un peu comme des enseignements aussi pour chacun des clans. Donc, on a quatre clans qui sont comme un peu des spécialités, si on veut. Puis par-dessus, on a un master clan. Donc, les Skaven sont toujours un peu, même les unités en tant que telles vont être divisées par des clans spécifiques. Donc, on a le clan Mulder qui sont un peu comme les abominations de combat, là, des créatures créées de toutes pièces qui sont envoyées au combat pour se battre. On a le clan Eshin qui est l'équivalent d'un clan d'assassins. On a le clan Verminus, à ce moment-là, qui est vraiment comme les combattants, un peu les thugs, là, si on veut, à quelque part. Après ça, on va avoir aussi. Oh, excusez-moi, c'est vrai, ils ont maintenant cinq clans avec le Verminus, là, pardon, je suis encore dans Fantasy à fond. Après ça, on a le Scryer. Donc, ça, c'est vraiment ceux qui sont technologie, techno, un peu comme même steampunk, à quelque part, l'électricité, tir à distance. Et le clan pestilentiel, qui est vraiment comme une espèce de rat, de la peste en tant que tel. Exemple, ils ont la marque de Nurgle, ils utilisent des gaz, c'est comme des fervents, des zélotes un peu. Puis par-dessus ça, dans le fond, échappauté par le Master Clan, qui est l'espèce de les Greyseer, donc les espèces de prophètes gris, des rats avec des cornes, qui sont un peu comme la caste dirigeante par la manipulation, là, ça reste très Skaven, là, mais la caste dirigeante, en fait, de chacun des clans. Au niveau des règles, si on les passe rapidement, le Master Clan, c'est chaque en fait héros qui est Master Clan quand, à ce moment-là, il utilise une Common Ability, on roule un dé, sur un 5, on génère un Common Point. Fait que c'est presque ce qu'on voyait dans le temps à la broche, mais pas tout à fait. Parce que c'est pas quand on dépense un Common Point, c'est quand on fait une Common Ability. Fait qu'il y a une petite six choses à voir, c'est que si, exemple, Teclis, il fait que toutes nos habiletés coûtent 2 au lieu de 1. Ben, on pourra quand même juste en gagner un parce qu'on ne roule pas pour le nombre dépensé, mais juste quand on utilise une common ability. Okay, bon. Ça reste très fort, tu sais, c'est le genre de truc. Vincent, on vient de faire l'analyse de la Légion du Deuil. C'est un trait de commandement qu'on doit mettre sur un héros pour pouvoir faire ça. Là, ça vient gratuitement dans l'allégeance d'armée, c'est extrêmement fort. Exactement. Puis en plus, souvent, c'est associé aux magiciens, les Master Clan étant les prophètes gris, c'est des très bons magiciens. C'est quelque chose que tu as tendance à jouer de toute façon. Après ça, si on regarde du côté Mulder, donc ça, c'est le maître Mulder qu'on joue, le héros en tant que tel. Il y a juste un héros qui est associé à ce clan-là, pardon. C'est que quand on le met sur la table, on sélectionne à ce moment-ci une Fighting Beast. Donc, les Fighting Beasts, il y en a juste une présentement dans le livre. C'est la Hellpit Abomination. Puis ce qu'elle va donner, en fait, c'est qu'on va relancer toutes les hits de 1 au corps à corps avec cette créature-là. Puis même si le Master Mulder meurt, ça ne change rien. C'est juste parce que tu le mets, ça lui donne ce combo-là. C'est pour ça que presque à toutes les fois que vous allez voir une abomination, vous allez voir un Maître Mulder qui est là juste pour lui donner ça, vu que ses attaques sont tellement puissantes, ça vaut tellement la peine de l'avoir en tant que tel. Puis, non seulement ça, mais en plus, ça y ajoute des 3 points de vie à cette créature-là. Donc, encore une fois, ça vient avec, c'est gratuit. Donc, dès que tu joues Mulder, ben, c'est sûr que tu vas avoir cette inclusion de ce héros-là. Après ça, Eshin, qui est vraiment le clan qu'on voit présentement avec Mulder, là, je dirais que c'est vraiment le clan qu'on voit le moins. Mais c'est intéressant, en fait, pour chaque héros Eshin qu'on met, on peut sélectionner un héros de l'autre côté de la table, dans le fond, dans l'armée adverse, même s'il n'est pas déployé là, au début de la partie. Puis toutes les unités Eshin vont à ce moment-là pouvoir relancer pour blesser contre ce héros-là. Fait que si à ce moment-là, on met 3 ou 4 héros, puis souvent on va voir des assassins qui sont là juste pour ça, sélectionner 4 héros de l'autre côté, toute l'armée va relancer pour blesser contre ces héros-là. Ça peut quand même être intéressant si tu sais que l'adversaire joue un archon, mettons, ou un gros héros qui est assez central dans son armée. Tu dis, bon, mais lui, on va avoir un bonus pour le toucher. Ouais, ben en fait, c'est reroule pour blesser. Fait que même si c'est quand même bien, faut dire que les unités échines n'ont pas un punch de fou, mais ils vont vraiment plutôt viser la saturation. Mais définitivement, ça reste positif. Après ça, Verminus, ça, c'est un lien qui est intéressant. C'est à chaque fois qu'on fait en met un Claw Lord, on peut en sélectionner jusqu'à 6, puis on peut tous, à ce moment-là, en fait, leur mettre un common trait. Tant qu'il est différent, mais ils peuvent tous en avoir un. C'est aussi simple que ça, mais c'est très bon. C'est C'est définitivement très très bon. bon. Puis, tu sais, sont quand même assez intéressants, là, ceux qui sont disponibles. Après ça, Scryer. Au début de la partie, à ce moment-là, on lance D3 plus 3. C'est le nombre de tokens qu'on va avoir. Les tokens peuvent être utilisés à différents escients. Il y a 3 choses qu'on peut faire avec, en fait. C'est que, dans le fond, le héros sélectionne une
un Wizard Scryer, donc un magicien Scryer. Puis on va pouvoir relancer à ce moment-là les invocations, comme les castings en tant que tels, les dispels et les unbind pour ce héros-là. C'est très bon, c'est très positif. À toutes les fois qu'on prend un token, on doit lancer un dé. Sur un 1, on subit des 3 Mortal Wounds à la fin de cette phase-là. Fait qu'il y a comme un risque, une chance sur 6 d'avoir quelque chose en contrepartie. Sinon, la deuxième utilité, c'est qu'avec ce token-là, on peut sélectionner jusqu'à 3 unités de tir du class Cryer qui sont complètement à l'intérieur de 13 pouces. Puis on va pouvoir ajouter 1 au dommage à ce moment-là de ses armes. Il n'y a rien de compliqué à dire, là. C'est excellent. Puis ouais. Normalement, c'est ce qu'on va voir qui va être utilisé presque à 100% du temps. Là. C'est vraiment ça. Et le dernier, c'est dans la phase de combat. Le héros peut utiliser ça pour relancer, pour toucher. Fait que c'est aussi bien, mais en même temps, il n'y a aucun héros Scryer qui a des aptitudes de combat vraiment écœurantes. Puis ça doit viser un héros Scryer. Donc, ça vient quand même un petit peu limiter les usages. Et finalement, on a le clan pestilentiel. Donc, le clan pestilentiel, en fait, fonctionne avec des prières, que ce soit le Plague Priest à pied ou celui qui est sur la fournaise. Ils ont des prières. Puis si on la roule, en fond, normalement, ça, sur un 3 et plus, ça a effet. Mais sur un 6, ça déclenche une Great Plague. Les Great Plagues, on ne va pas nécessairement les repasser. Là. Il y en a qui sont un peu anecdotiques. Celle qu'on met toujours, la première qu'on met, c'est Never Plague, ce qui fait qu'on pourra relancer toutes les prochaines prières de toute la partie. Fait que déjà là, c'est super bon. Puis après ça, il y en a d'autres qui sont intéressantes. C'est que bon, on sélectionne l'unité la plus proche à fait des 3 Mortal Wounds. Il y en a une, c'est qu'on sélectionne le héros ennemi à 13 pouces le plus proche, puis on peut le faire attaquer une unité, soit lui-même ou une unité ennemie. Donc, si, exemple, on a un Archaon qui traîne pas trop loin, bien, il va se frapper lui-même à cause d'une plaque, à cause d'une peste. Il y en a une, c'est que chaque modèle dans l'unité lance un dé sur un 5 plus et subit une mortelle. Puis tout ça, c'est que c'est en plus des prières. C'est vraiment, c'est très intéressant, mais on voit pas nécessairement beaucoup de prêtres. Fait que c'est pour ça qu'on on voit pas nécessairement ça à l'extrême. Si on... Fait que tout ça, ça c'est juste les habiletés de commandement. Fait que quand je dis à ce moment-là que quelqu'un est nouveau, il arrive dans le jeu, il commence à mélanger les clans parce qu'il veut des unités de partout, ben c'est juste 3 phases plus tard que tu te rappelles que finalement tu avais un reroule pour blesser puis tu pouvais gagner des command points sur un 5. Fait que ça fait vraiment beaucoup à penser. Là. Mais c'est dans l'ensemble, c'est extrêmement fort. T'sais, je t'écoutais parler, puis j'avais jamais fait l'exercice de faire un peu le... d'avoir un topo complet de toutes les bonus d'allégeance, les habiletés d'allégeance des Skaven. Je compare à mes Sylvanettes ou à mes Gloomspite Gits, puis je veux dire, on n'est pas dans la même ligue, là, du tout, du tout. Puis souvent, Games Workshop, on voit qu'ils rééquilibrent les armées en tentant de balancer les points des armées, mais souvent, la source de déséquilibre ou dans les forces des différentes factions, c'est dans les bonus d'allégeance qu'on les retrouve. Puis là, je trouve que c'est un bel exemple. Les Skaven ont vraiment des bonus d'allégeance qui sont extrêmement forts. Puis, je trouve que ça a toujours bien fonctionné, en ce sens que les héros, en partie en tant que tel, c'est pas un héros qui va tuer une unité à lui tout seul. On ne parle pas d'un méganome sur la laitue qui vole. C'est vraiment le support qu'il apporte qui fait que c'est bon. Fait que je trouve que toutes ces habiletés-là, toutes ces choses-là, ça n'a pas l'air au premier plan. Quand tu regardes des fois les caractéristiques de la figurine, tu te dis « Ouais, mais tu sais, je paye vraiment 100 points pour ça. » Tu n'as pas l'impression d'avoir la value, mais c'est quand tu joues sur la table, puis là, tu mets tout ça en branle, que là, tu fais « Ouais, OK, le 120 points pour une figurine qui a un tir, ouais, là, OK, je comprends pourquoi. » Fait que ça paraît pas, mais ça apporte des bons supports à beaucoup, beaucoup d'endroits à ce moment-là. Puis c'est gratuit. Ça, c'est ce qui est fou. Ouais, j'ai vu beaucoup de bonus aussi dans ce que tu as mentionné. Les bonus, ils viennent fier. Bon, on a joué ensemble, puis tu as eu un bon commentaire. Au moins, tu as parlé de mes tireurs qui étaient gelés un peu dans notre partie et qui n'ont rien fait. Mais je pense que les Skaven, vous souffrez un peu moins de ça parce qu'il y a beaucoup de bonus pour les jets que tu vas faire. Fait que ça semble être un peu plus fiable. Là. C'est ça, définitivement. Puis je pense que c'est. On vient faire souvent là, quand tu. Ça peut être une tactique, là, je veux dire, il y en a plein, mais de faire de la spécialisation. C'est souvent ce qu'on peut observer, exemple, pour des armées du clan Skryr, où est-ce qu'on vient à ce moment-là prendre une unité de tir qui est déjà bonne, qui coûte un bon prix, mais on vient la surspécialiser.
en mettant à son ancien un reroll pour blesser, un reroll pour toucher, un plus un dommage. Fait que là, tout ça, là, ça fait que ça fait vraiment des unités qui sont ultra fiables, d'habitude qui vont se tuer en un ou deux tours elles-mêmes, mais qui sont super fiables. Fait que tout ce qui est plus qu'even, en fait. Après ça, on pourrait y aller, exemple, avec les common traits. Puis là, il faut le dire, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Parce que pour chacun des clans que j'ai nommés, il y en a 6 à chaque fois. Les 3 premiers, à toutes les fois, sont répétés. C'est les mêmes. Fait que peu importe le personnage qu'on prend, on peut avoir à ce moment-là les mêmes. Puis les 3 autres sont à ce moment-là uniques à ce clan-là. Si on peut nommer, exemple, ceux qui sont... Qui ressortent un peu du lot, là, si on veut. Ouais. Master, ben, on va commencer avec le Master Clan, donc les magiciens. Il y en a un qui essaie à ce moment-là, une fois par phase de héros, on peut ajouter à ce moment-là plus un au casting, au dispel ou au unbind à ce général-là, puis ça peut être fait après le lancer. Ça peut être quelque chose qui peut être vraiment intéressant de dire ouais, ok, il me manque un point, est-ce que je le mets là? Oui, ok, bon, c'est intéressant. Fait que ça fait quand même bien du sens. C'est, ça en est un qui est très souvent joué, là, qui on voit souvent ça. Après ça, si on passe aux clans Scryer, qui sont à ce moment-là plus la technologie, il y en a beaucoup qui sont intéressants. Là, pour être franc, en fait, sont tous intéressants dans mon optique. Ça, il faut le dire, là, parce que je joue souvent des armées qui sont peut-être un peu moins jouées ou moins conventionnelles. Mais il y en a un, c'est s'ajouter des Warpstone tokens. On l'a vu, l'utilité que ça a. Là. Mm-hmm. On s'en ajoute 2, là, ça fait vraiment une différence. Il y en a un, c'est qu'à ce moment-là, on peut choisir une unité Scryer à 13 pouces. Complètement à 13 pouces, puis avoir lancé pour toucher. Encore une fois, c'est super bon. Puis l'autre, c'est en ce moment-là, on peut choisir jusqu'à 3 machines de guerre qui vont relancer pour toucher. Fait que ça, c'est super bon aussi. Là. Fait que c'est très, très bon. Fait que, ça, c'en est une. Puis je tiens à dire que quand je dis machines de guerre, à ce moment-là, c'est les weapon team. Fait que, excusez-moi, là, en français, ça serait les armes à les équipes d'armes, ou je ne sais pas trop, mais à tout le moins, c'est vraiment plus comme les petites machines. Fait que pas ce qui est les catapultes, exemple, ou des genres de canons, des choses comme ça. Mm-hmm. Ça, non. Mais quand même, là, on va le voir plus tard. Là. Mon amour pour les weapon team, là, mais définitivement, c'est un trait de commandement qui est vraiment bon. Après ça, on passe au clan pestilentiel. Pour être franc, je ne pourrais pas dire que comme les autres, il y en a là, des super, super bons. Il y en a un qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, on peut relancer les dés pour faire les prières. Mais en même temps, la première never played qu'on va mettre souvent, c'est relancer les prières. Fait que c'est un petit peu redondant. Fait que c'est pas nécessairement les meilleurs. Là, après ça, on tombe avec Verminus. Fait qu'on parle à ce moment-là des clans qui se battent, là, plus en les togs, qu'on disait tout à l'heure. Ils sont tous bien, quand même, encore une fois. Je dirais que celui qui fait comme un peu le saut, en fait, puis qui est une tactique qu'on pourra parler plus tard, c'est Devious Adversary. Fait que c'est à chaque fois qu'en fait, il y a un 1 au corps à corps qui est roulé pour quand on attaque cette figurine-là, ça va donner une attaque de plus à notre héros. Okay. Fait intéressant. Ça, si on voit un peu où ça peut mener, c'est qu'il y a des sortilèges, en fait, Skaven, qui permettent qu'on peut attaquer même si on meurt. Mm-hmm. Fait que si on va dans des hordes, comme exemple des Witch Elves, qui ont plein d'attaques chacune, on subit, exemple, bon, ben, 7 fois des 1 au final, ils nous tuent, c'est sûr. Mais nous, après ça, on va dévaster l'unité parce qu'on va de toute façon attaquer même si on est mort. Puis on va avoir des attaques supplémentaires pour chaque 1 qu'on a subi. Fait qu'il y a un peu cette tactique tordue, là, tout à fait Skaven à faire. Puis encore une fois, même s'ils sont mauvaises, ben, toutes les fois qu'on met un Clawlord, de toute façon, ils sont gratuites. Puis on peut en mettre jusqu'à 6. Donc, pourquoi pas. Après ça, avec les Maîtres Molder, je dirais qu'il y en a 2 qui sont intéressantes. C'est que quand on le met, à ce moment-là, normalement, on dit le Master Molder, on se rappelle, on peut ajouter D3 points de vie à un monstre. Le D3 devient D6. Donc, soit ça peut être ça, ou soit on choisit automatiquement 3. Fait que, normalement, si on joue Skaven, on va toujours mettre D6, là, parce qu'on joue Skaven. Sinon, c'est Horde Master. C'est relié au Command Trait en tant que tel du Master Molder. Normalement, on fait revenir une unité complète de créature Molder, là, on pourra le voir plus tard, sur un 5+. Avec ça, ça passe sur un 4+. Fait que ça vient fidéliser la capacité à ramener des unités qui peuvent coûter jusqu'à presque 400 points. Là. Fait que c'est quand même intéressant de ramener 400 points sur la table. Les clans Eshim, on va passer très vite parce que
c'est bien, mais c'est presque pas joué, puis ça a peu d'impact. Il y en a un, c'est que ton héros peut voler. Fait que pour le gros Vermin Lord, la base est tellement grosse que c'est pas tant intéressant. Celui qui est vraiment... celui qui fait la marque, là, en fait, du clan shield, c'est que si le héros est à l'intérieur de 1 pouce d'un décor, il n'est pas considéré comme visible pour tout ennemi qui est à plus de 6 pouces. Donc, à ce moment-là, il peut pas être... tu peux pas le tirer, en fait, tout simplement. Tu peux pas faire de magie, tu peux pas tirer. Fait que, vraiment intéressant. Surtout dans le méta actuel où le tir a fait un retour en force, là. Exactement. Puis c'est sûr que déjà de base, le Vermin Lord a moins 2 pour se faire tirer dessus. Au tir, tout simplement de base. Un built-in, si on veut. Fait que ça vient vraiment, effectivement, le protéger beaucoup. Avec ça, c'est pour en tant que tel les commentaires. Après ça, on peut passer aux artefacts de pouvoir. Là, ça va passer quand même assez rapidement. Dans le Master Clan, il y en a un qui peut être intéressant, qu'une fois par partie, on va donner des attaques supplémentaires à une unité Skaven. C'est bien, mais c'est comparable à ce qui peut être disponible. Dans le clan Scryer, l'objet qu'on va toujours voir, le Vigorous Injector, ça ajoute plus un au toucher, puis plus un à la charge pour une unité qui est à l'intérieur de 12 pouces d'un personnage Scryer. Et à la fin de la phase, on va subir des 3 Mortal Wounds. Excusez-moi, au début de la prochaine phase d'héros, on va subir des 3 Mortal Wounds dans l'unité qui a été affectée par ça. Vraiment, c'est super bon. C'est super bon. Sinon, il y en a un autre aussi qui est intéressant, c'est qu'on gagne un Warpstone Token qui peut être utilisé uniquement par ce personnage Scryer-là à tous les tours. Gratuitement, ça, c'est aussi intéressant. Sinon, pour le clan Pestilentiel, il y en a deux qui sont intéressants. Il y en a un qui est vraiment bon puis qui profite un peu d'un fac bidon. C'est que dans le fond, c'est un objet qui permet à ce moment-là de faire les prières. Parce que les prières du prêtre à pied puis les prières du prêtre sur la fournaise ne sont pas les mêmes. Et l'objet permet de faire, dans le fond, les prières du prêtre qui est à pied, même si on est sur la fournaise. Puis la façon que ça fonctionne, c'est que ça nous permet. Comme je vous dis, c'est un peu une fac, bon, c'est peut-être un peu un oubli, de faire 3 prières à tous les tours avec le même personnage. Fait que c'est presque l'objet qu'on voit tout le temps là, à ce Ouais. moment-ci. Sachant que tu as une Great Plague qui te permet de relancer, fait que t'es presque ta probabilité de réussir les trois prières est élevée, là. Exactement. Puis même d'avoir un 6, en fait. Même d'avoir un 6, j'ai une chance sur 6 3 fois dans ce tour-ci. Fait que, souvent, il y a une Neverplay qui aurait été déclenchée tour 1 ou 2. Après ça, ben, tu en profites tout le long de la partie là, pour le reste. Après ça, l'autre objet ça, c'est vraiment un objet. Je trouve que l'historique est tellement fou. C'est en fait comme une tumeur qui part sur ton personnage, qui fait à ce moment-là qu'on ajoute plus de mouvement et qu'on va rerouler pour toucher. Puis s'il y a un héros pestilentiel qui est à l'intérieur de 13 pouces, la pustule va se transférer sur lui. Fait que des fois, ça peut être un truc de mettre la pustule sur un héros boboche, puis de le faire transférer sur un héros de combat, puis après ça, qui va continuer pour aller au corps à corps. Fait que c'est drôle, mais en même temps, à quel point c'est utile, mais ça reste très, très marrant quand même. Ouais. Oui, exact, exact. Puis en plus, la pustule, elle a un nom, le Blisterus. Mais bon. après ça, pour les Verminus, le seul objet qui fait valeur de mention, c'est qu'on a un objet qui nous donne reroller un pour toucher et les un pour blesser. Fait que c'est intéressant. Là, les autres, je les passe rapidement. C'est pas qu'ils sont pas intéressants, mais c'est pas ce qu'on va comme voir le plus souvent ou quand on se dit, OK, je vais jouer contre un Skaven, qu'est-ce que je m'attends? C'est plus qu'est-ce qu'on voit. Les clans Mulder, parce que c'est pas vraiment des objets qui sont bons. Il y en a un qui est mention d'honneur. Exemple, c'est qu'on va avoir reroule pour blesser pour tous les packs. Donc, pas les monstres. C'est ça qui est dommage, là, en fait. Il est là le problème. C'est pour tous les packs, à ce moment-là, qui sont à l'intérieur de 13 pouces du porteur, vont relancer pour blesser. Mais, tu sais, vu que les packs auront souvent chargé, ton héros va être à l'arrière, c'est une drôle de synergie un peu. Surtout que les héros ont comme pas d'armure, ils ont 5 points de vie. C'est un peu bizarre. Puis le clan Ashin. Encore une fois, des objets un peu spéciaux. Il y a l'objet vraiment, encore une fois, très, très fluff, là, si on veut, très, très orienté, historique. Les Tree Fangs, que quand on tire, c'est un tir qu'on choisit un héros à l'intérieur de 6 pouces, on roule 3 dés. Si les 3 dés ont roulé 3 et plus, et qu'à ce moment-là, leur valeur combinée batte le nombre de points de vie de la figurine ennemie, il est mort automatiquement sans aucune sauvegarde. Fait que c'est drôle.
Ça reste drôle. Aléatoire, mais drôle. C'est ça, exactement. Sinon, les autres objets, ça reste pas très, très nécessairement bon. Après ça, on tombe au sort, en fait, Kevin. Fait qu'ils sont divisés dans deux disciplines. Fait qu'on a vraiment le lore de la. Excusez-moi, là, mais le domaine de la ruine qui est réservé aux sorciers à ce moment-là qui sont les Greasers, les prophètes. Globalement, il y en a quelques-uns qui sont joués Skelter Leap, ce qui permet à ce moment-là de téléporter un héros. C'est la combinaison qu'on. Ouais, c'est sûr, exact. C'est la combinaison là, par excellence qu'on voit de mettre un héros dans un gnawhole, de ramener ce héros-là, faire ces mouvements-là. C'est assez classique. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ce sort-là, en fait, c'est qu'on a tout. Chacun des Vermignacs a un de ces sorts-là, mais augmenté. Fait qu'à toutes les fois, c'est exemple Dreaded. Le nom du sort. Fait qu'à toutes les fois, le Verminac, ben lui, ça serait Dreaded Skitterly, puis il est un petit peu meilleur. Fait que c'est comme un peu comme ça qui fonctionne. Skitterly permet d'apporter téléporter n'importe où à l'intérieur de 9 pouces, puis Dreaded Skitterly, c'est n'importe où à l'intérieur de 6 pouces. Fait que c'est juste un petit plus, si on veut. C'est un bon plus quand même. Là. Oui, oui, c'est ça. Ça fait des charges qui se réussissent, ça fait téléporter un impact important. Ouais, je l'ai subi quand j'ai joué au tournoi contre Cédric Delard. Là, il a téléporté un Vermin Lord à 6 pouces de l'objectif en fond de territoire qui vaut 4 points. Là. Ouais. C'était voilà. Ça fait mal au cœur, effectivement. Ouais. Sinon, l'autre sort qu'on va tout avoir, ça va être aussi Death Frenzy. Donc, à ce moment-là, on sélectionne une unité à l'intérieur de 13 pouces. Oui, elle va subir des Mortal Wounds, mais c'est que la figurine, quand elle meurt, elle va pouvoir faire un mouvement pilot et attaquer. Ce qui est, on ne se le cachera pas, là, c'est vraiment excellent, là, excellent. Puis le dernier sort qui a toujours été quelque chose un peu que j'ai vraiment aimé, c'est un sort très contrôle. À 26 pouces, on fait des 3 Mortal Wounds, mais ce qui est vraiment, c'est bien, là, je veux dire, c'est correct, là, mais c'est vraiment pas là, le point principal. C'est vraiment en fait que l'unité, après ça, toutes les courses, toutes les charges sont divisées en deux de l'unité ennemie. Fait que ça fait qu'après ça, même si l'autre est à 4 pouces, ben, ça va quand même y prendre un 8 pour te charger. Donc ça, c'est vraiment un très, très bon sort de contrôle. C'est vraiment bien. Et en plus, l'unité ennemie ne peut pas faire de vol. Donc, c'est un petit plus. Puis la portée est à 26 pouces. Vraiment bon. Vraiment bon. La difficulté, c'est le casting, c'est à 8. C'est quand même assez dur. Mais il y a des moyens de outrepasser ça. après ça, on a, dans le fond, l'autre domaine. C'est le domaine du clan Skrir. La réalité, c'est que vous allez voir un seul sort là-dedans. Là, les autres sont marins. Je suis en train de penser à une tactique pour utiliser un des autres sorts, mais c'est celui que vous allez voir, là, c'est More, 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 War Power. Donc, l'unité sélectionnée sur un 7+, à l'intérieur de 12 pouces, va pouvoir faire reroule pour toucher, reroule pour blesser. Mais à la prochaine phase de héros, elle va subir des 3 Mortal Wounds. Mais c'est le sort par excellence que vous allez toujours voir joué par des clans Skrir. Après ça, on tomberait à ce moment-là aux décors qui sont réservés aux Skaven. Donc, les Gnawhole. Il s'est écrit beaucoup d'encre là-dessus. Il y a des avis assez mitigés et tout. Si, en tant que joueur à Skaven, je les utilise? La réponse est oui. Je dirais que c'est très souvent. C'est que ça force quelqu'un à. Je monopolise une unité ennemie qui va servir à uniquement superviser un gnawhole. Pour moi, c'est gagnant. Il ne me coûte rien. Je limite une unité de l'autre côté. Puis s'il fait une erreur, je vais pouvoir l'exploiter. Fait que je me dis que c'est gagnant. Puis si même je ne l'utilise pas, pression psychologique de dire OK, ben c'est parce que je ne veux pas avoir une unité de 30 qui arrive dans mon backfield. Autant ne serait-ce que un, les objectifs. Puis deux, le potentiel, là, dépendamment de quelle unité qui se fait amener, tu peux pas superviser parce que souvent dans ton champ arrière, ben, tu vas avoir des machines de guerre, des héros pas nécessairement solides. Fait que même si ça serait juste 10 figurines qui vont de l'autre côté, ben, je peux pas prendre la chance de perdre un héros qui est placé là, en fait. Fait que, bon, c'est ça. Globalement, ça peut être pertinent, ça peut être utile. Ça fait partie de l'arsenal global. Je pense qu'il y a des belles façons de les puis ce qui est vraiment le plus, en fait, de ça, c'est pas nécessairement le mouvement, moi, ce que je prends. C'est vraiment plus que nous, quand on est à un pouce, les joueurs Skaven, on a plus un pour les unbind, plus un pour les castings. Et aussi, parce qu'on n'y pense pas toujours, plus un pour les prières.
Ça peut être intéressant. Très souvent, on va voir les joueurs Skaven qui vont commencer avec leur héros autour du no-hole. Tour 1, bon ben go, je me lance, je fais mes sorts et tout. Fait que ça embarque et ça permet d'avoir ce petit bonus au tour 1 souvent. Fait que, je dirais que ça règle un peu la question pour tout ce qui est cette partie-là, hein, les règles qui peuvent être utilisées, comment on pense à faire l'armée et tout. Puis après ça, ben là, on peut débuter en tant que tel sur les bataillons en tant que tel, ce qui est vraiment. Mais juste avant que tu commences, tu as parlé que c'était difficile pour les joueurs à prendre en main comme armée. Moi, comme joueur qui joue pas Skaven, mais qui en a affronté, je l'ai affronté tout de suite après toi, j'ai affronté un autre joueur Skaven, dernier tournoi. Il y a Marc-André Lampé. tellement d'habiletés qu'il faut se souvenir, même si l'adversaire, tu sais, tu as été super honnête, tu dis, ah, j'ai telle habileté, telle habileté, telle habileté, mais ça fait tellement d'informations à retenir qu'éventuellement ton adversaire va faire une erreur. Il va oublier de prendre en compte une habileté importante. Puis, fait que ça te fait une armée qui est vraiment intéressante parce que tu peux, dans le fond, tu as plein de petits tricks là, que tu peux faire, plein de façons de surprendre ton adversaire. Puis même si tu lui dis à l'avance ce que ça fait, il ne retiendra pas toutes les informations, là. Oui, mais c'est ça. Je pense que de jouer contre un Skaven, je suis toujours content. Je me dis, oh mon Dieu, OK, tu sais, je connais l'éventail, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mais définitivement, surtout quand tu sais, je tombe contre quelqu'un de nouveau, je me dis, ouf, tu sais, ça définitivement de. Tu sais, puis je veux dire, nouveau, oui, à jouer contre les Skaven, mais même nouveau, exemple, à Age of Sigmar, ça doit être comme. Alors, faites les choses, puis on verra où ça mène, parce que. C'est une armée dont la courbe d'apprentissage est extrêmement longue. Hein. C'est une armée qu'il faut jouer, jouer et rejouer pour la maîtriser. Puis même chose pour l'affronter, comme Vincent disait, là, c'est difficile de bien. Parce que toutes les armées n'ont pas la même courbe d'apprentissage, là. Oui, effectivement. Puis en plus, tu sais, il est possible qu'avec une même unité, ben, tu puisses faire des choses différentes. Parce que tu as beaucoup d'outils. OK, tu sais, il y a des options qui coûtent plus cher. Donc à ce moment-là, tu les vois peut-être moins souvent. Mais même unité, tu peux dire, OK, je sais qu'exemple, les Clan Rats, ça fait telle chose. Mais, tu sais, puis je pourrais en parler aussi après, mais finalement, là, ça se peut que ça fasse complètement autre chose. Tu fais comme, OK, là, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris, là? Fait que c'est effectivement pas nécessairement évident. Puis je pense que c'est vrai, la courbe d'apprentissage est quand même raide avec les Skaven. Puis au début, ça peut être décourageant. Parce qu'on se dit, OK, ben, je pense que je les utilise pour ça. Je pense que je vais faire ça. Finalement, sur la table, ça se concrétise pas nécessairement. Il y a des unités qui sont vraiment juste pour bloquer. Puis des fois, d'apprendre ça, ben, ça peut être quand même assez long, effectivement. Puis après ça, on s'en vient à la section mal-aimée en tant que telle du livre, en fait, donc les bataillons, ce qui est la réalité derrière tout ça, là, je vais pouvoir les passer là, super rapidement parce qu'ils sont pas joués. Là. Son effraie sont presque absents de toute liste Skaven. Leurs coûts sont vraiment, vraiment. T'sais, oui, c'est vrai qu'on a eu l'augmentation, comme toutes les armées à ce moment-là, les bataillons ont augmenté et tout, mais à un point tel que, bon, t'sais, on se dit, est-ce que ça vaut la peine d'être joué, puis t'sais, surtout avec le bonus que ça m'apporte. Souvent, 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 quand on joue Skaven, ben, on a beaucoup, beaucoup de déploiements, là, beaucoup de drops, là, si on veut. Fait que, OK, oui, je mets quatre unités ensemble dans un bataillon, 10. Fait que, t'sais, est-ce que j'ai réellement un bonus par rapport à ça? T'sais, pas nécessairement, parce que j'ai tellement de choses à mettre que ça vaut pas vraiment la peine. C'est ceux qui valent la peine d'être mentionnés. Je pense que, en fond, il y en a pour comme les clans en tant que tel, à part le Master Clan. Il y en a pour comme chacun des clans. Puis ça permet de faire des armées très spécialisées. Fait que ça, c'est intéressant. Parce qu'il faut aussi comprendre que la manière de construire les armées Skaven, il y a une certaine particularité à ça. C'est qu'en fait, il y a des unités qui sont toujours Battle Line, dans le fond, les Clan Rats. Il y a des unités qui sont Battle Line si on joue Skaven Tide. Fait qu'à ce moment-là, les vermines de choc, les Storm Vermin, ils deviennent. Puis après ça, dans le fond, on a des unités, puis on pourra leur passer plus tard, mais qui sont Battle Line seulement si toutes les unités, pardon, de l'armée ont le même clan. Fait que ça permet de unlocker ou débarrer, si on veut. Mais ça fait que cependant, si on met un clan rat, ça marche plus. Fait que, tu sais, les clan rats sont, oui, battle line tout le temps, mais il faut quand même qu'on respecte uniquement du même clan. Il y a un peu cette particularité-là. Et après ça, dans le fond, le général, exclusivement, peut être un master clan. Fait qu'il y a toujours la caste dirigeante qui peut être le général de l'armée, même si tout le reste, exemple, c'est des assassins. Fait que ça peut fonctionner quand même. Fait que ça fait que souvent, ben, les bataillons qui ont plein d'unités Skaven du même clan,
ben là, ça me coûte tellement cher que si je veux jouer après ça d'autres unités, ben là, je vais tout de suite briser à ce moment-là Battleline If. Fait que ça fait un peu spécial, ça fonctionne un peu bizarre. Il y a ceux du clan pestilentiel qui peuvent se supporter elles-mêmes parce que ça comporte beaucoup d'héros, beaucoup d'unités à pied. Puis l'armée en tant que telle, là, ça sort quand même assez bien. Puis il y a l'armée à ce moment-là, pardon, le bataillon, excusez-moi, Eschin, le Skin Talon, qui peut contenir beaucoup de monde. Puis ça permet de faire une belle armée parce qu'après ça, tout est battle line. Ça, c'est intéressant. Mais c'est presque pas joué. Là, de un, le coût de l'armée, c'est très. Monétairement, c'est cher. Donc bon, c'est pas nécessairement joué le plus qu'il faut. Fait que ça complète. Oui, je m'excuse. Ben non, ben c'est ça, j'allais juste justement conclure en disant que ça souligne peut-être en même temps une petite faiblesse, si on veut, des Skaven, qui est que tu vas être contraint à un nombre de pauses élevées, donc tu vas généralement pas avoir le choix d'être le joueur 1 ou joueur 2, c'est ton adversaire souvent qui va. Donc il faut que tu te prépares aux deux possibilités tout le temps, là. Exactement. L'avantage, c'est que c'est possible avec l'esquive. C'est sûrement moi qui est avantageux. Mais oui, définitivement, ça force la main un peu de ce côté-là. Puis si on va avoir une armée avec très peu de drops, ça fait qu'on va avoir une spécialisation qui va falloir travailler beaucoup avec la spécialisation qu'on va avoir. Ça se fait, là, je veux dire, j'en joue, puis c'est plaisant, mais c'est moins une liste qui va pouvoir un peu tout affronter. C'est très spécialisé à ce moment-là. Fait que, après ça, ben, j'irai pour les War Scrolls, là, si vous avez Oui, un War Scroll. les chartes d'unité, on est rendu là. Good, parfait. J'essaie d'aller rapidement, mais le livre est assez épais, fait qu'on va Écoute, continuer. on a tout notre temps. C'est bon. Donc, si on commence avec, je vois là encore une fois dans l'ordre du livre, puis c'est tout d'adon, là. À page 99, on a comme un personnage qui a un nom, Tankwall, à ce moment-là, qui est un héros Master Clan, donc un prophète gris. C'est quel personnage? Quoi dire d'autre? C'est quel personnage? Je pense qu'il est connu de nom, là, t'sais, vu quand on le voit sur la table, on se dit tout le temps, OK, ouais, Tankwall. Il y a cette particularité, en fait, qui peut être construite de deux façons. Qu'on peut le mettre avec soit des lance-flammes ou le mettre plus spécialisé au corps à corps. Fait qu'on peut choisir quatre armes, en fait. Fait qu'on peut mettre 1, 3, 2, 2, ou 3, 1, ou 4 de l'un, ou 4 de l'autre. Bon, au corps à corps, c'est correct, là. On comprend rapidement qu'un sorcier au corps à corps, c'est peut-être pas la meilleure chose. Oui, il est sur un espèce de monstre, mais bon, 14 points de vie, 4 plus d'armure. Tu sais, si on est franc, c'est pas du tout son rôle, là. Puis, c'est que l'autre option est tellement bonne, c'est qu'à chaque lance-flamme qu'on a sur lui, on sélectionne à ce moment-là un modèle qui est à l'intérieur ennemi, forcément, qui se trouve à 8 pouces de lui, puis on lance un 2. Sur un 4+, ça cause une blessure mortelle. Puis si on a quatre lance-flammes, ben on fait quatre fois ça par figurine. Fait que si on est, exemple, la portée d'une unité, une unité de 40, on en touche 10, ben on va lancer 40 dés. Puis sur des 4 plus, ça fait des mortels. C'est la Je vais voir les combinaison. yeux de Yann. Je vais voir les yeux de Yann sur le quartier. J'ai eu la même réaction, mais moi, samedi en tournoi. Et ça fait exactement l'effet qu'on pense. Tu prends ton unité, tu la retires, puis tu dis, ben, bien joué, c'est fini. Ça détruit une horde, ça détruit une unité. Ben, moi, c'est des évocateurs là, que tu as tiré dessus, je me trompe pas. Ce que ça tire, ça enlève du jeu, tout simplement. Exact. Mais non, contre des hordes, tu arrives dans un pack de Witch Elves, puis t'es mort de rire, là, je veux dire. Ben, puis, au début, je me disais, tu sais, je ne le jouais pas, Tankwall. Je me disais, parce qu'il est quand même, ben, il est dispendieux. Ça dépend du point de vue, là, mais tu sais, il est quand même 390 points. Fait qu'il n'est pas nécessairement donné, là, tu sais, il n'est pas. Au début, je me disais, ouais, tu sais, OK, c'est un magicien. Tu sais, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce support-là? Je paye beaucoup de points pour ses aptitudes magiques. Est-ce que je m'en sers? Puis tout. Puis là, je me dis, ouais, mais tu sais, comment répondre à des hordes de Mortrek Guard en face? C'est quoi ma réponse concrète à part me dire, OK, bon, on va faire un combat ou est-ce que je vais juste le barrer à l'infini? Mais tu sais, ultimement, s'il y a un objectif, je fais rien. Ben, Tankwall, il y a une horde de 40 en avant, j'en touche 12, ben, le trois quarts est mort, j'ai rien fait à part ça. Puis, d'autant plus que à pleine capacité, Tankwall bouge de 10. Il bouge de 10. Après ça, tout ce qui est à 10, ben, à 18 de sa position de départ est comme dans le risque. Puis, ce qui est vraiment bon, c'est que oui, OK, c'est bon contre des hordes, mais en avant, exemple, j'ai des anguilles.
Même les anguilles vont avoir peur, les anguilles des idonettes, parce qu'en plus, c'est des mortels. Donc, à ce moment-ci, on bypasse beaucoup d'options de cette armée-là. Fait que ça, c'est super bon. Exemple, en avant, là, j'ai des Dracotes, des Stormcast. Tu as 3 plus d'armure, mais c'est pas grave, ça va être 4 dés par figurine, je vais faire 2 mortels. Rapidement, c'est qu'on fait le calcul, puis on se rend compte que c'est super bon. Puis, si c'était que ça, je pense que je le jouerais quand même. Mais c'est que c'est pas que ça. C'est ça qui arrive. C'est que, bon, sa page est complète, là, mais si on passe rapidement, il reprend un point de vie à tous les tours. Quand il est à pleine capacité, il donne plus 2 pour caster sur tous ses sorts. À lui-même, en tant que tel, il y a un sort là, qui est un peu moyen, là. C'est pas nécessairement le meilleur sort, mais lui-même peut aller choisir un sort en tant que tel dans ce qu'on a vu tout à l'heure, là, dans les sorts des Greasers. Ça vaut vraiment la peine. Une fois par tour, ben, à chaque phase d'héros, il peut lancer un sort sur 3 des 6, puis on prend 2 que nous on veut. Fait que ça aussi, ça permet de fidéliser un peu au niveau de son lancer de sort. Chose à noter, là, si jamais votre adversaire le fait, sachez qu'il y a 3 dés que vous lancez, puis les 2 que vous prenez, vous ne pouvez pas ajouter le plus 2. C'est les résultats, c'est tout. Puis si on roule un 13, il subit des 6 mortal wounds lui-même, mais le sort ne peut pas être unbind. Donc, ça fait Skaven encore une fois. Puis, un petit point intéressant, en fait, c'est son habilité de commandement. C'est que quand on dépense un point de commandement avec lui, on va pouvoir choisir 3 héros autres que lui et leur permettre de faire les 3 habilités de commandement. Fait que relancer la charge, courir de 6, puis immuniser au Battle Shock. Mais ces 3 habilités-là n'ont coûté qu'un seul command point. Fait que c'est intéressant, mais il faut avoir encore beaucoup d'héros pour vraiment s'en servir. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que lui, il est Master Clan. Fait que quand il utilise ça, bien sur un 5, on regagne un command point. Puis il existe aussi en tout cas, c'est un peu une tactique d'armée, là, c'est pas nécessairement joué, mais d'avoir juste des héros Master Clan, d'utiliser ça. Puis vu que la command, ben, pas la, ben, la command, l'habilité d'allégeance permet que quand on fait une habilité, on gagne un command point sur un 5+. Ben, chacun des 3 héros peut faire gagner des command points par ça. Fait qu'on peut techniquement gagner 4 pour en avoir dépensé un, mais je pense pas que ça vaut la peine de baser son armée là-dessus. Non, mais quand même, on voit qu'il finalement il vaut ces 390 points-là. Définitivement. Là, au niveau des sorts, il fait tout le temps aussi l'effet psychologique, là, de me dire, OK, ben là, j'ai un lance-flamme qui peut tout détruire, l'unité qu'il va sélectionner. Puis en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que oui, lui a un K+ d'armure, mais en plus, il y a un 5+ after save, si on veut, ou un ignore les blessures sur un 5+ par-dessus. Et il y a quand même 13 points de vie. Fait que ça fait avant de dire, OK, ben, c'est pas tout le monde qui peut dire je l'enlève tour 1. Fait que, cette menace-là est là, ça se peut qu'il passe pour un gnawhaul, il peut regagner un point de vie à tous les tours. C'est vraiment une menace à ce moment-là. Je pense que c'est des points qui sont bien investis. Il y en a beaucoup qui le trouvent cher, mais je pense que c'est une belle menace là, quand tu es dans une liste, là, définitivement. Après ça, je vais regrouper à ce moment-là tous les Vermignacs ensemble, là, même le personnage qui a un nom en tant que tel. C'est un peu dommage. Je pense que au début, les points, elles faisaient beaucoup de sens. Je pense que les gens les ont vus sur la table puis ont eu très peur. Je pense que la communauté a réagi beaucoup au Vermin Lord. Ils sont bons, je veux dire, ils sont bien. Mais pour être franc, j'y joue toujours par comme amour de la figurine. Mais je me rends compte que ça vaut jamais, 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 jamais les points que présentement on paye. Et même pour le Warp Seer. Le Warp Seer, ça en a un autre là, qui a fait couler de l'encre à n'en plus finir. Là. OK, oui, sa commandabilité, c'est super bon d'immuniser des unités qui sont à l'intérieur de 26 pouces au Battle Shock. Gagner des command points, c'est bon. Relancer sa sauvegarde d'armure, c'est bon. Mais est-ce que je paye 320 points pour gagner des command points? T'sais, puis à un moment donné, des unités qui s'immunisent au Battle Shock. T'sais, si tu as 2-3 command points, ça va être le même effet. T'sais, c'est mon avis personnel. C'est sûr que je suis un peu biaisé parce que je joue Skaven. Mais quand je regarde leur corps à corps, leur tir qui est juste anecdotique, on n'en parlera même pas, je trouve pas que ça vaut ce qu'on paye. Puis en plus de ça, c'est qu'on ne peut pas vraiment augmenter leur capacité à faire des sorts. Fait qu'il y a beaucoup de sorts qui sont exemple à 8+, mais je fais quoi avec un sort à 8+ quand j'ai 2 dés?
C'est 42% de réussite, là. C'est, tu le rates plus souvent que tu le réussis. Puis même quand tu le réussis, l'adversaire peut l'unbinder, le L'unbind. dissiper. Fait que c'est la réalité, c'est que si tu le réussis une fois sur trois, t'es chanceux, là. Exactement. Fait que, tu sais, je ne dis pas que c'est des mauvaises unités. C'est bien, ils ont des bons mouvements, mais selon moi, ce n'est pas la voie à prendre pour avoir une liste Kevin à tout casser. Mais la figurine est vraiment belle, par exemple. Ouais. C'est dommage parce que la figurine est vraiment jolie. Là. Peu importe comment on la monte. Exactement. Là. Ils sont tous vraiment, vraiment beaux. Mais c'est ça. Je trouve que c'est comme un rôle un peu spécial dans l'armée. Ils ont comme un rôle un peu étrange. Il y a des sorts qui sont bien. D'après moi, celui qui fait le plus de sens dans la liste, ça va être le Warbringer. Donc, celui qui est comme du clan Verminus. Son sort fait qu'à ce moment-là, ça donne un autre Death Frenzy. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il peut sélectionner jusqu'à des trois unités qui auront Death Frenzy. Et il peut sélectionner aussi les héros, pas juste les unités. Quand on parlait de l'espèce d'option là, d'envoyer notre héros au suicide dans une horde qui va subir plein d'attaques, c'était avec ce sort-là, en fait. Mais encore une fois, c'est un sort assez plus, puis dès qu'on décolle un Lunar Hold, on n'a plus le plus un là, pour lancer le. C'est sur notre sort. Fait que, ouais, c'est quoi les options? La réalité derrière ça, c'est que plus souvent qu'autre chose, là, on va le manquer. Là. Puis, pour avoir testé à fond, puis de l'avoir monté au corps à corps, puis de l'avoir envoyé contre plein de cibles différentes. On se rend compte qu'au final, ça ne fait pas son poids là, à presque 300 points. Il y a bien d'autres options bien plus intéressantes que ça. Après ça, on tombe sur le Greysir, en fait, qui est sur une cloche. Je dirais, là, mon premier point, là, c'est bread and butter. Si on veut faire une liste et se dire, OK, je veux partir avec un élément que je me dis, je bâtis ma liste autour de ça, c'est lui. Puis même deux. Ça peut être deux dans une liste. Il n'est pas rare qu'on en voit. Ça peut être une tactique. C'est vraiment super bon. Dans la méta en tant que telle, où est-ce qu'on considère que les héros sont quand même fragiles, on se dit là, on a un héros à 13 points de vie, 4 plus d'armure, à moins 1 to hit, on se rappelle, à cause du locateur, autant au tir qu'au corps à corps, qui a un mouvement tout à fait décent, là, de 6 pouces, même s'il est sur une grosse machine, qui va immuniser au Battle Shock toutes les unités qui sont à l'intérieur de 13 pouces, ce qui est Eventide. Je veux dire, c'est un super bon magicien. Son spell à lui est tout à fait décent. Il n'y a aucune option. Il n'y a pas de raison de passer à côté. Pour combien de points? Lui, à ce moment-là, il est 2,40. 2,40, c'est très raisonnable. Puis surtout, justement, tu le soulignais, là, c'est un héros qui se retrouve à avoir 13 points de vie, tu as dit 12 points de vie. Exact. On voit ce que les Séraphons sont capables de faire, là, faire pleuvoir des détroits mortels un peu partout sur les petits héros. On est dans un méta où les héros à 5 points de vie, là, ils ont un niveau de survivabilité qui est assez bas. Fait qu'avoir l'option de monter ces héros sur des machines pour augmenter leurs points de vie, ça vaut vraiment la peine. Définitivement. Puis en plus, il y a des stats de combat qui sont comme somme toute là, pour un magicien très correct. Il y a un rogue qui l'accompagne sur la cloche. Quand on fonce avec ses pics, ça fait un peu plus de dommages. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le Peal of Doom. Donc, à ce moment-là, à toutes les phases d'héros, on lance 2d6, puis l'effet à ce moment-là, random. Dans le fond, il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et finalement le merveilleux 12 qui invoque un Vermin Lord gratuit. Ça me rappelle ça aussi, des souvenirs. Tantôt, j'ai parlé du spell qui avait amené un Vermin Lord sur mon objectif arrière. Ben, c'était un Vermin Lord qui avait été invoqué comme ça sur un double 6. Donc, ça se reprend un peu. Oui, ben c'est ça. Pourquoi pas amener 300 points gratuits sur la table? Pourquoi pas? Ça change une game, mettons. Ah, définitivement. Définitivement. Mais c'est une des options. Puis pour être franc, mon opinion personnelle, c'est que c'est même pas la meilleure. OK, oui, c'est bien. C'est tellement anecdotique que tu peux pas te fier là-dessus. Mais ce que je peux me fier, par exemple, c'est sur un 7. Fait que c'est le résultat que tu roules le plus souvent, techniquement. C'est plus un au casting de tous les héros Skaven Tide. Puis l'effet, dans le fond, la bulle, si on veut, au début, c'est 26 pouces quand elle n'a pas subi de dommages. Fait que tu sais, c'est gigantesque sur une table. En plus que la figurine, tu sais, pas petite, là. Fait que c'est gigantesque sur une table. Sinon, dans le fond, le 8-9, c'est toutes les unités qui sont à portée. Donc, si on parle de 26 pouces, c'est sur un 4+, c'est des 3 mortal wounds. Fait que c'est vraiment, encore une fois, super bon. Puis, selon moi, là, celle qui fait vraiment, d'après moi, le plus de dommages, là, c'est 10-11.
c'est moins un to hit à tous les ennemis au tir, au corps à corps. Mm-hmm. Fait que souvent, souvent, la tactique, en fait, de se dire, ben, regarde, je vais en jouer deux, là, c'est juste de se dire, ben, regarde, paf, moins deux to hit, parce que c'est pas à l'intérieur du reach de un ou plusieurs. Tu sais, c'est juste écrit comme ça. Fait que si tu roules deux fois, ben, c'est moins deux. Fait que, tu sais, c'est vraiment bon. Puis, de toute façon, avoir deux cloches, tu répètes la même chose, tu as deux fois un héros qui est super bon, qui est dur à tuer, tout ça. Puis, il faut juste faire attention au niveau de la mobilité, parce que c'est souvent le truc, en fait, c'est de ne pas toucher au héros, mais de tuer tout ce qui est autour, parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de modèles, en fait. Excusez-moi. Il faut qu'il y ait à ce moment-là au moins 10 modèles, soit dit en passant, lui-même est un modèle, ce qui est Eventide, fait qu'en la réalité derrière ça, c'est 9 modèles, pour qu'il puisse bouger. Oui. Fait que ça, c'est à prendre en considération. Puis l'autre chose, c'est en tant que joueur skill, ce qui est à prendre en considération, c'est qu'on peut faire scurry away. Fait que rendu au corps à corps, on peut fuir quand même si on a une cloche. Fait que, mais tu sais, très souvent, ma tactique, ça va être de dire, OK, j'ai mon blob là, je veux pas me faire toucher au flanc, mais je vais mettre la cloche complètement là pour bloquer l'ennemi. Puis s'il a attaqué, il va attaquer dans un héros qui est super résistant, qui va avoir moyen pour toucher. Puis moi, ben dans le fond, dans mon unité, je vais avoir des pertes minimales. Puis quand je vais faire mon pilot, je vais pouvoir ramener beaucoup de monde. Après ça, je vais pouvoir fuir charger. Ça fait qu'il y a des belles tactiques à faire avec ça. Puis son sort à lui est tout à fait décent. Je veux dire, je ne passerai pas nécessairement à fond son sort personnel, mais c'est bien correct. Puis il vient avec lui. Puis en plus, il va avoir un spell dans la liste des Greasers qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait que ça fait bien du sens. Après ça, on passe le Greaser qui est à pied. Donc, le Greaser à pied, on en voit quand même beaucoup moins. Je pense que depuis que, dans le fond, le sort Skaven, le Endless Spell, en fait, Skaven, a diminué sa portée, je pense que ça a fait qu'on en a vu moins aussi. Il reste super bon. Il y a la même option un peu que Tankwall de lancer à ce moment-là 3D et de prendre les deux plus hauts. Cependant, lui, si on roule un 13, il meurt. Fait que bon, c'est un risque à prendre, mais l'ennemi ne peut pas l'unbinder. Puis son spell personnel est super bon. En fait, ça fait que l'ennemi va avoir moyen pour toucher. Fait que c'est quand même super bien. Puis ça reste que c'est un bon héros. Là. On peut pas le renier. Là. Ça reste un bon héros. On parle quand même à ce moment-là de deux castings, deux unbind, 140 points. C'est super bien. Là. Il fait bien ce qu'il a à faire, en fait. Après ça, on passe, je pense, d'après moi, au héros que je pas mal de tout le livre. Là, je dois pas mal préférer avec Tankwall, le Arc Warlock. Oui. C'est comme un... C'est comme si on mélangeait un chevalier en armure complète avec un Skaven, puis par le même coup, un magicien. On a vraiment un modèle, c'est l'ancien Ikit la griffe là, qu'on pouvait voir dans Warhammer Fantasy. Pour un héros à pied, c'est vraiment super tanky. Là, ça bouge de 6 pouces, ça a 6 points de vie, ça a 3 plus d'armure. Bon, comme tous les héros Skaven, ça a 6 de bravery, mais c'est pas ça la question. après ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'habilités. Même ses attaques au corps à corps, je veux dire, ça fait quand même... Bon, c'est une attaque, c'est 3 to hit, 3 to wound, moins 2 d'armure, des 3 de dommage. Puis il y a une deuxième attaque que c'est 4 to hit, 3 to wound, moins 2 de rending, 3 de dommage. On se rappelle. Ça peut chatouiller. C'est ça, exact. Puis on se rappelle tout à l'heure qu'on peut prendre un token pour relancer pour toucher. Mm-hmm. Ça peut être intéressant. Puis, comme plein de figurines Skaven, il y a une option pour avoir une overload. Fait que son overload à lui, personnel, c'est que il peut, son albarde, dans le fond, qui fait D3 de dommages, elle peut faire D6 à la place. Mais si on roule un 1 pour toucher, il se fait D6 Mortal Wound à lui. Ça peut être intéressant. sinon, lui-même, il a une habilité aussi. C'est qu'une fois par partie, il peut sélectionner une unité ennemie qui est à 8 pouces. Sur un 2+, il fait des 3 Mortal Wounds parce qu'il a un lance-flamme dans la main. Puis son sort aussi, qui est super intéressant, tout autant qu'il est impressionnant, c'est que c'est sur un spell à 7+. On sélectionne 3 unités ennemies à l'intérieur de 13 pouces, puis ils subissent chacune des 3 Mortal Wounds. Puis on peut décider de le surcharger pour faire D6 Mortal Wound dans D3 unités. Mais si on le manque ou si on se le fait unbinder, la figurine subit D3 fois D6 Mortal Wound. Fait qu'il ne faut pas le manquer quand même. Mais il peut être brutal, mais sa fin peut être brutale aussi. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, ça peut être un héros en fait, qui est super intéressant, ça peut être un héros qui est super surprenant. Des fois, là, je me rappelle d'avoir vu des paquets en fait, de,
de gore. OK, ben, tu sais, il fait en arrière du champ, il arrive avec quelques-uns. Moi, je fonce au corps à corps. Je dis, ben là, c'est un magicien. Je tape, je prends mon D6 de dommage, flac, j'en tue 9. OK, ouais, là, t'as peu. Fait que ça peut changer un peu la donne de ce côté-là. Puis planté dans un décor, ben, il se retrouve à 2+. Fait que il est pas mauvais quand tu le combines avec un Mystic Shield. Si l'autre, t'as pas de rending, à 6 points de vie, à moyen tout, pour toucher, il bougera pas de là. Il bougera pas de là, définitivement. Fait que ça, c'est un héros qui est quand même intéressant. Puis je tiens à dire que c'est lui qui a tué Archaon au corps à corps. Bon, dans une de mes parties, quand j'ai joué au tournoi au Grand Clash, j'ai réussi à enlever plein de points de vie à Archaon avec des machines de guerre, des tirs et tout. Puis c'est le Arqualoc qui a montré ses gros muscles, puis qui est allé le descendre de son cheval, puis ouais, qui a raconté comment c'est quoi la vie à Archaon, en fait. C'est épique, c'est épique. Exact. Après ça, on tombe dans les Warlocks, autant le bombardier que l'ingénieur. Je vais parler un peu en même temps. Là. En fait, c'est la réalité derrière ça, c'est que c'est des héros du sport. Ils vont pas être utilisés pour leur capacité principale. Là. Ils vont pas être utilisés. T'sais, le tir du bombardier peut être vraiment bon. Puis ça, on va le nommer parce que ça peut surprendre. C'est dans le fond un 4 to hit à 18 pouces, une attaque. 3 pour blesser. Moyen de rending, D6 de dommage. Donc on dit, ah, ok, tu D6, mais il peut être overloadé. Puis, dans le fond, quand on l'overload sur un 1, ça fait en fait 2 D6 Mortal Wound sur le bombardier. Mais si on touche, on blesse et tout, ça fait 2 D6 de dommage, en fait, sur la cible. Fait que ça peut vraiment faire le saut dans une horde qui a un petit 5 plus d'armure, là. C'est vraiment bon. Puis, si on pense à la common ability qu'on peut relancer les 1 to hit, on donne avec un Master Clan, sur un 5, on garde, on lance, on pogne un 1, hop, je le relance. Ça fidélise un peu la figurine. Puis, il est pas rare de voir un more power sur lui. Fait qu'on reroule pour toucher, pour blesser. On est sûr qu'il meurt pas parce qu'il a 5 points de vie, on subira juste des 3. On prend une chance. On prend une chance. Ben oui. Puis sinon, le reste, c'est pas vraiment digne de mention. Je veux dire, leurs sorts sont comme corrects, mais ils sont vraiment là pour donner des tokens, ils sont vraiment là pour supporter les unités Scryer en tant que telles. Ils n'ont pas vraiment d'autre rôle que ça. Ils sont 110 points pour celui qui est comme plus corps à corps, puis 120 pour celui qui tire, vu qu'il est un petit peu meilleur. Ils sont chers, mais on sait que tout ce qu'ils apportent comme support, puis les objets qu'ils peuvent amener avec eux, on comprend vraiment pourquoi ils sont ce prix-là à ce moment-ci. Après ça, on demeure un peu dans le Scryer, les Stormfiend. Les Stormfiend qui ont été à ce moment-là, qui ont tellement eu de facs de règles puis de changements dans leur fonction, puis même dans leur taille d'unité, ils ont passé de 9 à 6. C'est une unité qui, comment je dirais ça, oui, qui est bonne, qui a vraiment perdu de la puissance. On va être prêt de passer de 9 à 6 modèles, ça a été un coup dur en tant que tel, parce que les Stormfiend, c'est les figurines qui bénéficient le plus de tout booster en même temps sur la même unité, de mettre tous les boosts possibles. Puis ils peuvent quand même endurer toutes les pertes de points de vie que ça va occasionner. Parce que Skaven, c'est un peu ça, là. On va te booster, mais tu vas en mourir. Mais eux, ils pouvaient prendre ça parce que c'est 6 points de vie chaque, 7 pour celles qui sont équipées un peu différemment. Donc, ils permettaient ça. Puis là, le fait de les avoir descendus à 6, ça fait que 1, c'est plus risqué. 2, t'en tues quelques-uns, ça fait un impact quand même assez majeur. Puis après ça, il faut tout qu'il y ait des armes différentes. Ouais. Ça vient un peu mitiger le tout. Puis ce qui fait que quand on prend les Stormfiend, c'est que si on doit booster cette unité-là, c'est qu'on ne pourra pas booster les autres. Fait que ça devient un peu des choix déchirants. Ça reste une bonne unité, là. Pour vrai, ça reste une bonne unité. Si je suis franc en tant que joueur Skaven, j'en ai même pas. Moi, j'en joue pas. J'ai jamais tant aimé les Stormfiend. Puis vu que je joue les Hordes, ben, si c'est 260 points pour 3, j'en aurais pas d'Hordes. Fait que j'aime pas ça. Fait que c'est plus un choix personnel parce que je sais, la réalité, c'est qu'ils ont été super bons super longtemps. Ils sont encore tout à fait viables. Mais d'après moi, c'est qu'ils vont mal avec d'autres unités. T'sais, si tu prends des Stormfiend, normalement, tu prendras pas des Jezzail. Parce que comment ça fonctionne, c'est que le token qu'on prend pour booster, on peut en prendre un par phase. Fait que si je booste mes Stormfiend pour le dégât, je ne vais pas booster à ce moment-là les Jezzail. Parce que souvent, ils ne seront pas les deux à l'intérieur de 13 pouces. Parce que les Stormfiend vont être à l'avant, ils ont des armes moins longues portées que les Jezzail. Fait que, ça vient un peu
délimiter ta liste, de dire, OK, ben, je prends des Stormfiends, bon, il va falloir que tu ailles all-in, puis tu aies du support pour ces six-là. Il y a un peu ça. Je les ai trouvés quand même costauds en les affrontant. Puis ils ont quelques trucs quand même. Hein. Je pense qu'il y en a un qui, lui, n'a pas besoin de ligne de vue pour tirer. Fait que c'est plutôt incommodant pour sniper les petits persos. Puis moi, j'adore ces modèles-là, les figurines. Le sculpte, là, je les trouve tellement beaux. C'est une préférence personnelle, là, mais vraiment, ils sont superbes. C'est vrai que les belles figurines, tu sais, c'est des, puis ont des belles, comment je dirais ça, des belles options au corps à corps aussi, là, tu sais, des Oui. armes qui cognent fort, sont quand même résistants à 4+, quand même 6 ou 7 points de vie si on leur met les armes de corps à corps. Mais les armes de tir, je trouve, là, ces personnes-là ont besoin de support. C'est comme Ouais. les launchers, ça reste quand même, c'est 3 tirs chaque, 4 hits, 4 wounds. Fait que oui, pas de ligne de vue, mais je pense que c'est des unités qui shine vraiment quand elles sont supportées, puis ils fit très bien dans le livre Skaven. Mais faut les babysitter. Ils ont besoin de babysitter, là, ça c'est comme automatique. Fait que bon, c'est un choix. C'est encore une fois, c'est un choix qui revient à se dire. Dans la méta actuelle, est-ce que j'ai l'option de me dire que je le supporte avec 3, 4 petits héros à 5 points de vie? Bon, tu sais, la difficulté est là. Elle est vraiment là. Fait que, c'est ça. Mais, puis je suis sûr qu'il y a plein de joueurs qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de succès avec ça. Puis, c'est un des outils, là, en réalité. C'est un des outils. Après ça, on passe au merveilleux. Là. Au merveilleux, je peux pas le dire autrement, le Warp Lightning Cannon. Juste le concept, c'est tellement sordide là, de se dire qu'on prend une grosse roche radioactive, qu'on met plein de miroirs en avant, puis qu'on focus ça, puis qu'on tire. Juste ça, c'est merveilleux. La réalité, c'est que c'est comme un Tchernobyl sur roue, là. Qu'est-ce qui peut mal aller? Qu'est-ce qui Ben, non, peut mais c'est mal ça. aller? Exact. Puis je trouve que les règles sont. Tu sais, c'est vraiment bien en tant que tel. Comment ça fonctionne, de base, on lance un dé. Le résultat qu'on a, après ça, on prend 6 dés. On lance les 6 dés. Puis les résultats qui sont égaux au premier dé qu'on a lancé causent des mortal wounds sur une unité à 24 pouces qu'on a sélectionnée. Comme toute bonne chose, Kevin, on peut se dire, ah ben, je vais l'overloader. Fait que si, puis ça c'est seulement si dans le fond, il y a un ingénieur, puis ça peut être un Arc Warlock ou les deux autres types d'ingénieurs, peu importe, qui est à l'intérieur de 3 pouces, on peut lancer 12 dés au lieu de 6. Fait que là, le potentiel des blessures mortelles explose. Sauf que pour chaque 1 qu'on roule, ça fait des 3 mortal wounds au canon. Fait que normalement, on fait deux overloads, tu sais, en moyenne, là, on fait deux overloads dans la partie puis il est mort. Tu sais. Mais de toute façon, quand tu en as déjà fait une, puis il reste 3 points de vie, tu te dis pourquoi pas en faire une autre, de toute façon. Joues Puis, Skaven ou tu joues pas Skaven, ben, c'est tu ça, sais. exactement. Ouais, et puis quand Puis, tu roules le merveilleux 1 pour déterminer la force, puis t'es overloadé, c'est 12 mortels, c'est c'est ça, ça t'envoie à d'autres. Mais juste le faire, ça a été merveilleux, là. ben, c'est ça, C'est. exact. T'sais, puis, même si tu roules un, c'est pas grave. T'sais, je veux dire, OK, tu vas subir des mortal wounds sur les 1, mais c'est ça, c'est en plein ça, c'est que ça fait quand même des mortal wounds. Fait que pour ça, c'est vraiment bien. Le défaut, c'est 24 pouces. Tu sais, c'est pas 30 comme exemple d'autres armes de tir, on peut voir. Ça prend une ligne de vue. L'avantage, ça roule pas pour toucher. Fait que dans un méta où est-ce qu'on se dit qu'on a plein, exemple, des petits skinks qui sont loin, que ah, ben là, j'ai plein de moyens to hit, nanana. Ouais, non, pas contre le canon. T'sais. Fait que pour ça, c'est vraiment bien, puis c'est vraiment comme un laser. Bon, ben, il y a un point rouge dans le front. Ah, il se rend compte que finalement, il y a juste ses bottes qui fument à terre, puis il n'y a plus d'héros en face. Là. Fait que pour ça, c'est vraiment une arme de tir là, qui est super bonne. C'est 180 points. C'est cher. Pour toutes les fois où est-ce qu'on va rouler un 6, c'est cher. La réalité est vraiment là. Pour toutes les fois qu'on va rouler un 6 puis qu'on va se faire subir soi-même 6 mortal wounds, ça, là, tu te dis, OK, pourquoi j'ai payé ça? Mais là, quand tu roules un, après ça, tu oublies puis tu pars à rire, puis la prochaine fois, tu vas en jouer quand même. T'sais. Mais la réalité, c'est que c'est pas super stable. En frais de performance, en frais de machine non plus, là, mais en frais de performance, c'est pas stable. Mais, tiens, puis on pourra en reparler peut-être plus à la fin, mais t'sais, la picture globale des Skaven, c'est un peu ça. Capitalise sur ta chance. Parce que tu en as plein d'unités qui sont complètement, là, c'est des wildcards. Là, tu vas tomber, des fois, tu vas faire What? Ben, là, go, là, vas-y, là, surf sur cette vague où est-ce que tu as eu quelque chose qui t'a aidé. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis sinon, je veux dire, globalement, il bouge de 3 pouces.
Fait que, ton threat range, c'est 27. Fait que, des fois, c'est pas nécessairement facile. Tu as 4 plus d'armure. Super, super bon. C'est vraiment correct. 8 points de vie. Super correct, encore une fois. Donc, ça va super bien. Après ça, on tombe sur les acolytes, les scryers acolytes. Fait que, une figurine qui a tellement besoin d'un modèle en plastique, ne serait-ce que un par le look qui est comme un peu daté, mais surtout le prix, en parlant d'argent. Mais sinon, un modèle qu'on dirait pas au premier abord, mais qui a dû changer le cours de plein de parties, là. Fait un globe poison qui tire à 8 pouces. 4 plus to hit, 4 plus pour blesser, moins 2 de sauvegarde, puis D3 de dommages. Ça bouge de 6 pouces. L'avantage, c'est qu'eux, ils peuvent courir et tirer. Fait qu'on ne se le cachera pas. Qu'est-ce qu'on voit d'habitude? Court 6, prend un command point pour les faire courir de 6, puis après ça, tire à 8. Fait qu'on a un bon threat range de 20 pouces. Après ça, quand ils tirent sur une cible qui a en avant 10 modèles et plus, on a plus un pour toucher. Puis après ça, on peut mettre more, more, more web power. Fait que reroll to hit, to wound dessus. Puis on peut leur mettre plus un de dommage. Fait que des 3 plus un de dommage chacun. Fait qu'avec des unités, dans le fond, le maximum s'est rendu 20. Avant, c'était 30. Ils ont comme compris quelque chose. Puis non seulement ça, puis la deuxième, je pense que le coup le plus dur pour les acolytes, ça a l'air, comment je dirais ça, ça a l'air, on dirait pas au premier abord, mais ils ont passé de 25 mm à 32 mm leur base. Ça a été un des coups les plus durs parce que ils ont tellement, t'as besoin de chaque attaque, de chaque bonhomme quand tu tires. Ça fait tellement varier. Des 3 plus 1, c'est gigantesque. Ça fait vraiment des gros dommages. C'est parce que sinon, l'autre défaut, ben, c'est ça meurt comme ça. Ça a 6 plus d'armure, ça a un point de vie. Fait qu'en paquet de 20, c'est super bon. Ça va détruire à peu près quasi n'importe quoi. C'est même pas supporté. Ça va faire des bons dommages, mais ça meurt très vite. Fait que c'est vraiment un glass cannon. Mais c'est une belle unité aussi, mais le 32 mm, c'est un poignard dans le cœur quand même. C'est une unité que sur papier, c'est comme vraiment, vraiment bon. Puis quand on les joue sur la table, on fait comme, ouais, t'sais, oui, OK, courir de 6, mais t'as pu le placer 20 fois des 32 mm pour être à 8 pouces pour tirer. Quand tu dis qu'il y a 3 pouces, tu peux pas avancer, tu peux pas comme dans d'autres jeux, des fois, ben, OK, je me mets un pouce de l'ennemi. Non, non, là, t'es en plus à 3 pouces. C'est quand même assez limitant. Trois unités de 20, là, sur une table, je ne suis pas sûr que ça se concrétise réellement. Fait que, je pense que c'est une unité qui est vraiment bonne, mais qu'il faut vraiment savoir jouer. C'est ça qui arrive. C'est assez plate, ça, quand ils changent j'avais pas eu connaissance qu'ils avaient fait ça, changer par après des tailles de base comme ça. Fait que ton armée est toute sur du 25 mm, là, ton unité. Puis là, il faut que tu achètes des bases 32 mm puis que tu rebases. C'est frustrant, là, si ton armée est peinte. Ben, c'est ça, tu sais, puis le coût, entre guillemets, est double. Le coût est, OK, il faut que je change ça, mais en plus, ça change leur performance sur la table. Oui. Fait que, ça, le coût est double. Je pense que ça demeure une bonne unité, mais clairement, ils ont pris un coup dur quand ça s'est passé, là, définitivement. Après ça, on tombe sur la Doom Wheel, qui est, encore une fois, on prend une roue, puis on met comme 3-4 générateurs instables de Malpierre dessus, radioactifs. Puis on envoie ça vers l'ennemi, puis on verra ce que ça donne. Fait qu'encore une fois, qu'est-ce qui peut mal aller là-dessus? Fait que le profil, déjà, ça nous en parle, là. 4 D6 de mouvement, 8 points de vie, 4 plus d'armure, un 7 de bravery, qui est presque la meilleure bravery de tous les Skaven, mais clairement, il faut être soit fou ou brave pour conduire ça. Ça paraît pas, mais ça a un tir qui est vraiment bon. Puis on peut l'overloader pour mettre 2 D6 tirs, 3 to hit, 3 to wound, moins 1 D3. 2 des 6 à D3 de dommages. Ouais. Fait que Allez. Oh, ça peut. ça peut faire très mal. La vitesse est vraiment unpredictable, mais ça tire quand même à 13 pouces. Fait que si on se dit qu'on fait deux fois, mettons, 7, ça arrivera jamais. Mais mettons qu'on se dit qu'on fait deux fois 7-7, après ça, on peut tirer à 13. Ça peut quand même faire très mal, surtout si on en met reroule pour toucher pour blesser dessus. Plus un dommage, de 3 plus 1, ça commence à pouvoir faire des très, très bons dommages. En plus de ça, quand ils bougent, s'ils ont passé sur certaines unités, ils peuvent faire des mortal wounds parce qu'ils les écrasent comme s'ils volaient. C'est intéressant. Puis, c'est 150 points. Fait que
Ça, c'est intéressant. Puis souvent, là, en tout cas, la tactique, c'est un peu comme je l'envoie dans un gnome. Puis si tu la gères pas, là, elle va t'écraser plein de choses. Elle va passer sur tes héros, elle va te faire des tirs. Fait que t'es obligé de la gérer, puis tu sais jamais où est-ce qu'elle va trop aller. Fait que ça peut être intéressant quand même. Puis fait notable, si tu n'es pas content du 4D6 que tu as roulé, tu peux décider de le relancer. Mais si tu roules un seul, au moins un 1 sur ton résultat, c'est ton adversaire qui la bouge pour toi. Fait que je tiens à dire que tu as Hey, moi qui 66% de pensais que les chances. Gloomspites étaient aléatoires. C'est T'as 66% des chances que ce soit ton adversaire qui la bouge. Fait que bon, à tout bon entendeur, ça reste à voir qu'est-ce que vous voulez faire. Après ça, on tombe sur les Jezzels. Jezzels qui sont, d'après moi, l'unité la plus stable en tant que telle, là, vraiment un wash scroll exemplaires, là, sont vraiment bons. Ça fait drôle de dire ça pour les Skaven. Un tir à 30 pouces, 4 to hit, 3 to wound, moins 2 de rending, 2 de dommages. S'ils n'ont pas bougé, ils relancent pour toucher. Déjà là, c'est super bon. Puis en plus, si on roule un 6 pour blesser, c'est 2 mortal wounds automatiques. Puis ça arrête l'incapacité après. Contre les tirs, ils ont 4 plus d'armure, 2 points de vie chaque. What's not to like, là, c'est super bon. Puis on pense après ça qu'on peut leur mettre plus un de dommage avec un Warpstone Token, 3 de dommage. Je tiens à dire que ça n'affecte pas la Mortal Wound qui est faite, fait que ça reste à 2. Mais à 3 de dommage, une arme à 30 pouces, c'est un pensez-y bien, c'est vraiment bon. À 140 points pour 3, il n'est pas rare là, de voir des listes où est-ce qu'on en a 2 fois 9. Oui, ben en fait, moi je faisais la comparaison, je joue Stormcast, j'ai mes Long Strike Crossbow qui sont les mêmes stats à peu près. Là, s'ils n'ont pas bougé, ils vont avoir 30 pouces. Ils touchent sur du 3+, mais ils ne reroulent pas, ou le 2+ pour le champion. Ça revient au même mortel sur les 6, tout ça, 2 de dégâts. Mais c'est 170 points. Et là, je paye 30 points de plus pour une unité qui est identique, 2 points de vie, 4 plus contre les tirs. Puis moi, je ne peux pas y donner plus 1 de dommages. Je peux pas. Il n'y a pas de. Fait que non, c'est vraiment une super bonne idée. À 140 points, elle Ouais. est excellente. Puis la réalité, c'est que tu veux toucher sur des 4+. Parce que si tu touchais sur des 3, puis tu peux relancer pour toucher, tu aurais plus de hits, puis moins de possibilités de ravoir des 6. Fait que tu es comme un peu content d'aller à la pêche pour des 6. C'est ça la Ouais. réalité. Fait que non, définitivement, c'est vraiment bon. C'est une unité. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de listes qui jouent ces unités-là. Puis ça fait que souvent, tu sais, il faut penser aussi quand tu as besoin de faire un babysit. Si, exemple, j'ai deux canons, puis je veux overloader les deux, il faut que je pense que j'ai besoin de deux ingénieurs. Mais là, si j'ai une unité de Jezzel, j'ai un babysitter, c'est tout. Fait que c'est un pensée bien aussi des fois pour l'investissement après, parce que, OK, oui, l'unité de Jezzel, c'est 140 points, mais l'héros, lui, est 110. Fait que là, si j'ai deux canons, ben là, c'est un autre 110. C'est un peu ça aussi à penser, là, définitivement. Puis en plus, il n'y a rien qui empêche, si on, exemple, on en a 9, d'en mettre 6-3. Ou tu sais, 4-5. Donc, on peut splitter les tirs ou on peut choisir des unités ennemies différentes comme cible avec différents tireurs, puis on va bénéficier des bonus de toute façon. Après ça, on va tomber sur un mal-aimé, mais que moi, j'aime beaucoup, la Rattlingon. Vincent, tu as pu en subir les effets aussi, là. fait que c'est, moi, je trouve ça merveilleux, là. C'est vraiment, c'est tout ce qu'il y a de plus Skaven. Ça bouge à 6 pouces, 3 points de vie, 6 plus d'armure. Ça a un tir à 12 pouces, 2 des 6 tirs, 4 to hit, 4 to wound, 1 de rending, 1 de dommage. Pas nécessairement comme extrême, sauf qu'on peut décider de l'overloader, puis on double à ce moment-ci le 2 des 6 de tir. Si on roule un double, elle explose, mais elle va quand même faire les tirs. Considérant à ce moment-là qu'on peut y mettre à 2 de dommages, considérant qu'on peut y mettre plus 1 pour toucher, considérant qu'on peut faire un rôle pour toucher, pour blesser, ça commence à faire beaucoup de bonus. Puis la réalité, c'est que quand tu fais 4 des 6 tirs, souvent, tu n'auras même pas besoin des bonus. Puis ça va faire quelque chose de bien. Okay? C'est que ça va être caché en arrière de tes lignes. Avant de pouvoir aller les chercher, c'est un petit soc de cavalerie, c'est tout petit, c'est 3 points de vie. Fait que ça peut quand même endurer quelques tirs à 60 points. La réalité, là, c'est que c'est ça, là, t'sais, c'est en unité de 1, fait que c'est 1 de la fois, fait que ça augmente vraiment tes drops, ça c'est un peu le défaut, mais ça vient vraiment, c'est une super belle unité. Puis t'sais, si on considère aussi, si on se rappelle les common habilités qu'on avait tout à l'heure, de sélectionner jusqu'à 3 unités de Weapon Team qui peuvent relancer pour toucher, en même temps,
c'est vraiment bon. Là, tu commences à avoir une base de tir. Tu sais, 3 fois, c'est 180 points, mais en avant, là, des hordes, là, tu sais, je me rappelle souvent d'avoir tiré dans des bloodletters qui tombent à très peu de sauvegarde après, à 2 de dommages. C'est parce que je peux en enlever 15 Il y a par plus de tir, des fois. bloodletter après. Ben, c'est ça, ça fait vraiment des gros dommages. Puis même contre des héros, contre des. C'est vraiment très, très intéressant. Je pense qu'il y a quand même un thème qui se développe. Tu as beaucoup de War Scrolls qui sont bons, mais avec toutes les synergies que tu as, ils deviennent excellents. Alors avec le plus 1 pour blesser de dommages ou les rerolls des hits ou des wounds. Fait que des War Scrolls qui sont bons à la base, mais les synergies des Skaven sont impressionnantes, là. Exactement, c'est ça, effectivement. Puis c'est là que toute la force est, effectivement, puis d'où la courbe d'apprentissage, définitivement. Après ça, on tombe sur une autre unité que j'ai toujours, toujours, toujours appréciée, le lance-flamme. puis encore une fois, je suis sûr que tu auras tout à fait des bons mots à dire contre ça, Vincent Bien. Ouais, c'est génial. donc, un peu les mêmes stats, là, c'est une weapon team, donc 3 points de vie, 6 de move. On sélectionne à 8 pouces un ennemi. Toutes les figurines dans l'unité qui sont à 8 pouces, on lance un dé sur un 4 plus un mortel. On peut l'overloader. 2 dés chaque sur un 4 plus, un autre. C'est des mortels. Puis après ça, on lance un dé, un 2, il est mort parce qu'il a explosé. 80 points, fin de l'histoire. Aucun moyen de le booster. Pas besoin, la réalité. C'est ça, pas besoin. C'est juste tellement bon. À toutes les fois que j'en joue, il coûte 80 points, il doit m'en rapporter 300 à 400 facilement. C'est la menace là, aussi de se dire, l'autre, OK, oui, OK, je veux tuer son héros qui donne des supports, qui donne des boosts. Mais c'est parce que si je ne tue pas cette machine-là ou ce lance-flamme-là, je sais qu'il va m'enlever 20 à 30 figurines d'un coup. La menace est tellement là que ça vient un peu comme forcer l'ennemi à mettre des tirs ailleurs, là, si on veut. Ça tue tout, même des évocateurs, là, je veux dire, peu importe quoi, là, ça fonctionne très bien, c'est ça qui arrive. Après ça, les prochaines machines, là, la seule chose qui est digne de mention, c'est le nom français, c'est la Ratasphère. Malheureusement, c'est tout ce qui est digne de mention, c'est vraiment une unité qui est bonne à mettre aux poubelles. C'est la mention que c'est le pire War Scrolls, je pense, qui. Dans beaucoup d'armées, je pense que c'est comme le title pour le pire War Scroll, c'est vraiment pas bon. Le Warp Grinder qui permet de deep striker des unités, c'était bon. C'était bon, mais c'est parce que maintenant, il y a tellement d'armées qui peuvent deep striker comme gratuitement que là, tu as une taxe de 80 points pour le faire. Puis non seulement ça, c'est qu'en plus, tu as des chances de subir des 6 Mortal Wounds quand tu arrives sur la table. Tu as une chance sur 3. Fait que, tu sais, tu te dis, est-ce que j'amène un héros qui a 5 points de vie puis j'ai une chance sur 3? Qui subissent des mortal wounds, puis après ça, il peut juste mourir. T'sais, ça vaut pas la peine. Fait que pendant un temps, c'était bien. Maintenant, ça n'a plus d'importance. Après ça, on tombe dans plus tout ce qui est la partie plague en tant que telle, là, les Plague Priests. Ceux à pied, on va passer très rapidement. Là, on les verra jamais. Là. Pour l'instant, ils n'ont pas un rôle défini, ils ne sont pas résistants, ils n'apportent rien à l'armée. Fait que c'est pas vraiment pertinent. La catapulte, la Plague Claw catapulte, je ne sais pas trop quoi dire. Là. Ça ne vaut jamais la peine. Quand tu fais le calcul, tu te rends compte que ça ne vaut jamais la peine. Même, il y a une formation pour les augmenter, ça ne vaut pas la peine. On est dans un cas de réécrire un War Scroll. Je pense qu'on est là, malheureusement. Le Plague Priest sur la furnace, là, sur la grosse fournaise. Beaucoup d'éléments que j'ai dit pour le Greaser sur la cloche s'appliquent à lui. Super résistant, moyen to hit au corps à corps, 4 d'armure, 5 plus after save. Puis son gros sensor, c'est l'attrait principal. Quand il est plein, il fait D3 plus 4 mortal wounds sur un 2 plus sur l'unité en face. C'est vraiment un dommage immense. Puis après ça, on a en plus, c'est un petit la petite cerise sur le sundae, c'est que ça dégage en tant que tel comme des gaz, puis ça endommage, tu sais, ça fait une mortal wound sur un 4+, pour toutes les unités à 3 pouces, sur un 6, 7, des 3. Overall, c'est que ça immunise, puis que ses prières permettent aussi de bien booster, redonner des lancers pour blesser excusez-moi, aux Plague Monks, des plus un attaque. Fait, vraiment un héros vraiment super, 200 points. Je veux Ouais, dire, oui. encore une fois, c'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon héros qui tire son épingle du jeu à toutes les fois que je le joue. C'est toujours, toujours un super, super bon héros. Pardon, qui fait vraiment un bon travail. Donc, overall, tout à fait positif.
Après ça, on tombe sur les Plague Monks. Heureusement, dans le fond, le War Scroll qu'il y a dans le livre n'est plus valide parce que je pense qu'il y a plus de règles spéciales que dans le temps, n'importe quel héros, le combiné. Leur version actuelle fait plus de sens. D'un, là, définitivement, là, ça fait plus de sens. Là, avant, C'est monstrueux, là. ça touchait n'importe quelle unité, puis en avant, ça explosait. Puis quand tu mourais, tu faisais exploser. Ça faisait aucun sens. Ça faisait aucun sens. Maintenant, c'est vraiment ce que c'est censé être comme une unité de zélotes qui font un nombre trop élevé d'attaques, mais qui ne vont pas nécessairement comme avoir un rending comme insensé. Fait que ce sont un bon prix, 2,80 quand t'en as 40, des bonnes attaques, puis ils bénéficient beaucoup des boosts. Fait que, un super bon War Scroll, Battle Line quand tu joues juste Plague. En plus, faut le nommer, contre Nurgle, en fait, t'as pas de malus, t'as juste des bonus. Quand tu joues contre Magotkin, vu que tu as la marque Nurgle, tu bénéficies de tout ce qui est positif pour l'autre. Fait que si l'autre a des arbres au milieu de la table qui permettent pour courir et charger, tu en bénéficies aussi vu que tu as la marque Nurgle. Puis il y a plein, 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 plein de sorts dans le fond de Magotkin qui affectent positivement Nurgle. Ça va t'affecter positivement parce que toute l'armée a la marque. Fait que bon, ça Amusant. exact. C'est plate pour eux. C'est plate pour eux. Plague Sensor Bearer. Ça, c'est mon unité préférée en tant que telle, des unités de plague. C'est comme des gars avec des gigantesques fléaux. Leur profil est comme correct, mais ce qui bénéficie de plein, 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 plein de règles. Plus une attaque quand tu charges, reroule pour toucher quand ils sont proches de Plague Monks. Ils ont les fumes quand ils chargent, des bonus. Fait que, plein, plein, plein de règles. C'est du rending aussi. Fait qu'un de rending. C'est de base, dans le fond, c'est deux attaques, 4 plus, 3 plus, moins 1, 1. Ben, plus une attaque quand je charge, reroll to hit quand j'ai des Plague Monks pas loin. Tout ça ensemble, ça fait une bonne unité. Le défaut, c'est qu'ils se. C'est celui du 32 mm. Ça, c'est le premier défaut. Puis ça a été le deuxième changement. Eux aussi ont passé du 25 au 32. Puis la réalité, c'est qu'ils ont le même rôle que les Plague Monks. Ils n'ont rien qui les discerne, à part être plus cher. Ça vient de régler la question, savoir si on les joue, malheureusement. Après ça, on tombe dans le Verminus, le Claw Lord. 100 points, un héros qui fait bien du sens, qui est super bon. Puis c'est surtout son habileté qui fait qu'il y a un bon sens dans la liste, ce qui donne plus une attaque à toutes les figurines d'une unité Verminus à 13 pouces. Fait qu'on va le voir, là. Dans le fond, les unités Verminus, là-dedans, il y a les Storm Vermin. Le combo obvious, là, on le voit tout de suite, là. C'est une bonne unité, les Vermines de choc. C'est leur général, ben, leur général, pardon, leur héros associé. Puis si on se rappelle, à chaque fois qu'on en met un, on a un common trait gratuit, même si c'est pas le général. Donc, c'est juste du bonbon. Ces attaques sont décentes. À 100 points, ça en sort très bien. Je parlerai pas de Skritch, là, Spike-là, outre nommer son nom, là, c'est celui qui vient d'Underworld. C'est un Clawlord. La phrase s'arrête là. Sont rarement jouables de toute C'est façon. ça, ils sont rarement utiles, c'est ça, effectivement. Après ça, on va avoir les Clan Rats. On pourrait passer rapidement sur ce War Scroll-là, mais je pense que ce serait une erreur, là. Jamais en dessous d'un paquet de 40 quand on en joue, parce que sinon, ça sert à quoi? Puis, ce qui fait tout leur sens, là, en fait, sur le War Scroll, là, tout est inutile, sauf, dans le fond, la bannière, puis le nombre qu'on peut en mettre. La bannière permet de fuir et charger, puis on peut en mettre jusqu'à 40. Fuir et charger, c'est une habilité qui est souvent sous-estimée. Là, ça offre un avantage tactique vraiment intéressant dans certaines situations. Là. Exactement. Tu sais, à toutes les fois, là, c'est eux qui sont là pour mourir, sont là pour encaisser, mais ils font ça parfaitement. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est juste c'est parfait. Puis ils coûtent pas cher, là, je veux dire, en paquet de 40, c'est 200 points. Fait que l'avantage est vraiment là. Ça te fait des écrans de points de vie. Ils ont aucun autre rôle que ça. Puis quand je perds les 40, si j'ai pu soit mettre un frein à l'ennemi, soit j'ai pu choisir mon combat, ou j'ai pu choisir où je tirais, c'est bon. Mes 200 points sont. C'est correct. C'est parfait. Avec 40 points de vie pour 200 points, il n'y a pas beaucoup d'armées qui ont des points de vie aussi peu chers, là. C'est ça. Exactement. Puis, tu sais, Vincent, tu l'as subi. Quand un joueur à Caradon, c'est la même chose. C'est ce qui fait quand je peux jouer premier puis pas avoir le stress d'avoir un tour collé. J'ai tellement un gros
J'ai tellement de points de vie en avant que c'est pas grave. T'sais. Puis je vais tellement prendre d'espace sur la map que même si je pars, par exemple, qu'on a, que ce soit 12 pouces, que ce soit 15 pouces, peu importe de déploiement, tout mon côté va être pris. J'aurai aucun espace de 9 pouces. Puis je peux même faire ça si j'avance deux tours, tellement que j'ai de monde. Fait que la réalité, c'est que je ne peux jamais 102 unités de 40. Fais jamais. Puis le fait que, en fait, tu te fais jamais prendre par les armées qui peuvent faire des alpha strikes, des deep strikes, tout ça. Tu as toujours de la vermine pour encaisser, puis faire ce qu'ils font de bien, comme tu dis, mourir. Exactement, en plein ça. En plein ça. Puis, faut savoir, il y a moyen de les booster quand même. Je pense qu'il y a moyen de surprendre un peu, de dire, OK, ben ils ont 4 plus, pas de rending, un dommage. Sauf que quand ils sont 40, c'est 3-3. On peut leur mettre plus un attaque vu que c'est du Verminus avec le Claw-Lord. Puis on pourrait mettre après ça le Vigor Dust Injector pour que ça soit du 2 plus, 3 plus, deux attaques chaque. Mais bon, ça vaut-tu la peine? C'est l'autre question, mais c'est ça. Fait que non, pour vrai, c'est super bon, puis ça fonctionne très bien dans une armée. Après ça, on a les Storm Vermin, que je pense que c'est avec les nouveaux facs, le nouveau point qui sont arrivés, c'est ce qui a vraiment fait que, OK, là, ils mettent leurs armures sur le dos, puis go, on y va, puis on joue. Puis on le voit, là, sont comme pas disponibles sur tous les sites Game Workshop. C'est pour ça. C'est pas pour rien. Avant, ils étaient 120 pour 10, là, sont 100. 40, c'est 400 points. Je veux dire, c'est 2 pouces de reach. Deux attaques, 4-3, moins 1. Ça veut dire que quand ils sont 40, c'est du 3-2 plus. Tu sais, une unité à 2 plus de base, là, tu sais, sans aucun boost, c'est vraiment bon. Si on se dit qu'on met le Vigor Dust Injector, c'est du 2 plus, 2 plus. Si on leur met plus un attaque chaque, c'est 3 attaques chaque. Avec un Drain Day, ça commence à être vraiment, vraiment bon. Puis après ça, l'autre combinaison qu'on n'oublie pas, c'est si on se dit que quand il meurt, il attaque avec le sort. Fait que ça fait que je peux faire un pile-in de 3 pouces. Fait que avec mon 2 pouces de reach, si je suis à 5 pouces d'une unité ennemie, je peux quand même frapper. Puis si on met ça à l'extrême, je mets les deux Death Friends dessus. Fait que chaque personne, tu sais, chaque mort peut attaquer deux fois. Fait que deux pile-in. Fait que ça fait dans le fond que, tu sais, si je mets mon plus un attaque, justement, ça veut dire que je fais 6 attaques. C'est vraiment super bon à 2 plus, 2 plus. Puis on y va pour le top du top. Je mets relance les 1 pour toucher avec la commande habilité. Ah ben là, tu vas nettoyer ce que tu touches. C'est ça. Puis c'est 400 points. C'est sûr que tout ce qu'on parle en support coûte énormément de points. Mais même tout seul, ces 400 points-là, ça fonctionne super bien. Ma Déjà, la moi, tactique. Vas-y, Vincent. la tactique que tu mentionnais de leur mettre deux Death Frenzy dessus, tu me l'as fait à un moment donné dans la partie. Puis pour l'adversaire, c'était un casse-tête parce que ben, si je les frappe pas, ils vont être en pleine forme puis ils vont venir me frapper rendu à leur tour. Puis si je les frappe là, je vais mourir parce qu'ils vont frapper deux fois chacun avec toutes leurs attaques puis leurs bonus. C'est vraiment un bon combo qui est un casse-tête à gérer pour l'adversaire. S'il n'y a pas de tir pour vraiment les éliminer de très loin, parce que comme je dis, ils ont un double pile-in avec 2 pouces de portée, il faut se demander comment on va gérer ça. Mais c'est vraiment la tactique Death Star, là. Donc, on commet beaucoup de bonus puis de points sur une unité sur le champ de bataille. Donc, il y a toujours des risques associés à ça, des risques tactiques, là, associés C'est à ça, ça. définitivement. Définitivement, mais tu sais, ce qui est utile, c'est que justement, avoir un Vigor Dust, c'est celui qui donne le plus 1 pour toucher, ça peut être utile pour tes unités de tir. C'est ça qui est intéressant de dire, OK, ben, ça reste que ce paquet-là, c'est juste 400 points. Tu sais, c'est là l'avantage de dire, il peut fonctionner seul, comme que je peux utiliser mes différents boosts. C'est vrai que si j'ai un Claw Lord, il va presque exclusivement servir à ça. Ça, c'est vrai. C'est un 100 points investi que pour ça. Mais les autres bonus, c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux en mettre quand même plusieurs ailleurs. C'est vrai que je suis pas pris dans un bloc de me dire, OK, ben là, faut que j'investisse, pardon, complètement cette Death Star-là. C'est l'avantage. Puis, ben ça, tu le nommes, là, c'est vraiment l'option défensive. Si je veux pas avoir une charge, OK, ben, tu sais, je peux me cacher en arrière de quelque chose. Je peux mettre du monde en avant de moi. Je peux mettre des Endless Spells qui bloquent le chemin. Ou je peux faire que tu n'as juste pas le goût de venir te battre. T'sais. Fait que c'est ça c'est tout le temps spécial de voir ça où tu te dis, ben là, je vais me dire à quoi de foncer. OK, je vais t'en tuer, mais après ça, mon unité, même si je colle le tour, j'en ai plus. Là. Parce que ça, en plus, c'est que ça n'affecte pas juste une phase de héros. Là. Ça affecte les deux phases. T'sais, fait que les deux combats, c'est ça qui est vraiment, vraiment bon. Ouais, puis Yann, je fais juste un petit dernier commentaire sur cette unité-là, parce qu'elle m'a vraiment surprise en combat là, quand on a joué. Puis Yann s'est dit, c'est vrai, quand tu as une Death Star, tu commets beaucoup de points.
Mais toi, si tu as de la mettre Dead Frenzy une fois ou deux, même si tu as commis beaucoup de points, tu sais que tu vas les rentabiliser. D'une façon ou d'une autre, l'autre va subir des dégâts avec cette unité-là. Alors qu'il y a plein de Death Star, des fois, que tu mets beaucoup de bonus dessus, mais là, finalement, ils se font charger, puis il y en a tellement qui meurent avant de pouvoir attaquer que tu ne rentabilises pas. Toi, tu dis, ben écoute, même si tu me charges, puis tu m'en tues la moitié de l'unité, tu wipes l'unité, c'est pas grave, mon unité va quand même te démolir ce qui va être venu charger. C'est vraiment intéressant. Ouais, exactement, exactement. Puis, tu sais, si on pense après ça, ben, qui peut le caster pour que ça soit plus stable? La Tank Wall. Ben, c'est pas pour rien qu'il est joué. Il se dit à plus 2 pour caster, plus 3 si tu es à l'intérieur d'un no-hole, à plus 3 pour caster. Là, à moins que tu aies un automatique on bind, ça va être, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez stable. Quand même assez stable. Après ça, si on regarde, on tombe plus dans la section Molder. Le Packmaster, c'est vraiment pas un bon War Scroll. Ça permet juste de fidéliser un peu les attaques là, des packs, en réalité. Fait que des packs, on parle à ce moment-là comme des nuées, des rogéants, puis des rogues. Fait que c'est un peu redondant en tant que tel avec le Master Molder. Fait que ça vaut pas vraiment la peine. Le Master Molder, on le prend pour qu'il booste en tant que tel les abominations. Puis son common ability qui fait que, dans le fond, quand on a un Molder Pack qui meurt au complet, on peut à ce moment-là lancer un 2 sur un 5+. On prend l'unité qu'on vient de perdre, on la remet sur la table dans notre zone de déploiement à 6 pouces du bord, 9 pouces de l'ennemi. Si on a 8 rogues qui meurent, on roule un dé sur un 5+, s'ils reviennent au complet. Puis si on se rappelle, on peut en prendre une habilité qui fait que c'est sur un 4+. Ça peut quand même être intéressant. Après ça, la Hellpit Abomination. J'en ai joué plusieurs fois. C'est une de ces unités-là qui est très aléatoire. Le 2d6 de mouvement, là, on ne se le cachera pas. Là, tout de suite, on le voit que ça peut très bien aller comme ça peut très mal aller. Elle regagne les points de vie. Ça, c'est intéressant. Quand elle meurt, elle peut revenir. Dans le fond, quand la première fois qu'elle meurt, on peut lancer un 2. Sur un 5-6, elle regagne des 6 points de vie. Donc ça peut être intéressant. Ses attaques sont très surprenantes. Là. Il y a une de ses attaques, en fait, c'est à 2 pouces. Elle part avec 6 attaques. Elle descend la dernière, c'est 2 attaques. Là. Mais quand même, à 6 attaques, c'est 3-3 moins 1, 3. Ça, c'est quand même assez violent. L'autre profil, c'est toujours 6 attaques à 3-3. Le rending, ça part à moins 3. Puis ça descend. Puis c'est la seule chose qui descend là-dedans. Puis c'est 2 de dommages chaque. Juste ces deux profils-là sont déjà intéressants. Mais ce qui fait vraiment son gros plus, c'est Avalanche of Flesh, sa règle. Fait quand elle charge, tous les modèles de l'unité qu'elle sélectionne à 3 pouces sur un 2+, au début, dans le fond, sur son profil, subissent une Mortal Wound. Puis si on charge, on relance le dé, dans le fond. Fait que c'est un profil dégressif, là, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Puis même quand on charge pas, on le fait. C'est juste que quand on charge, on relance ça. Fait qu'une abomination qui rentre dans une orbe, c'est fini, il n'y a plus d'or d'en Ça fait face. mal. Oh, Ça fait mal. il n'y a juste plus d'or d'en face. Puis même contre des héros, elle s'en sort parce qu'il y a des attaques à gros rending ou beaucoup de dommages. Fait que c'est super bon, mais c'est à 12 points de vie, 5 plus d'armure. Fait qu'on joue contre une armée qui a du tir, puis on les perd dans le temps de dire, même si on leur donnerait plus des 6 points de vie. La réalité, c'est qu'à moins qu'on en ait 4. Pourquoi pas en jouer 4 tant qu'en jouer, là, mais ça, c'est que ça meurt très vite au tir. Fait que ça a une faiblesse apparente. Combien de points t'as dit, là? J'essaie de voir. D'après moi, c'est 2,20. Ça a baissé. Dans ma tête, ça reste raisonnable. Moi, c'est ça. 2,20, parce qu'avant, elle était 260. Fait qu'elle a baissé 40 points d'un coup. 2,60, c'est clair, ça valait pas la peine. Je pense qu'à 2,20, ça commence à être quelque chose qui se considère. C'est juste que ça a encore une fois un drôle de rôle dans l'armée. Elle est un petit peu dure à booster. C'est ça. Ça a un rôle un peu spécial. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que t'as pas de difficulté contre les hordes avec les skelettes. Fait que, tu sais, c'est ça. Après ça, on tombe avec les rogues. C'est des togs. Ils n'ont pas beaucoup d'armure. Pour être franc, c'est pas nécessairement bon. Puis c'est pas pour rien qu'on n'en voit pas beaucoup. Dans une liste Molder, ça devient Battle Line. Fait que, t'sais, si je joue Molder, quand je vais jouer Molder, parce que c'est toujours un peu comme d'avoir l'armée de chaque clan, c'est le fun. On verra, mais pour l'instant, c'est écrit sur papier, puis je pense que c'est suffisant. Les nuées de rats, on n'en parlera pas, là, on va laisser faire. Les rats géants, ça a été les héros qui ont été détrônés. Initialement, c'est que dans le fond, plus tu en avais, plus tu avais d'attaque.
Fait que ça, c'était intéressant parce que ça donnait des chiffres qui faisaient comme aucun sens. Puis il faisait qu'à la fin, tu touchais dans le fond, tu faisais quasiment du 2 plus 2 plus. Maintenant, dans le fond, c'est que plus tu en as, plus tu as comme un reach qui est élevé. Ben, ils ont une attaque chaque à 4 plus 5 plus, pas de rentée. Fait que la réalité, c'est que c'est des blessures, c'est des points de vie. Fait que c'est 40, 40 points de vie pour 200 points. Ça bouge à 8 pouces. L'avantage est vraiment là, mais c'est pas Battle Line. Fait que souvent, on va plus voir des Canrats parce qu'eux ne peuvent pas free charger les Rogers. Fait que, ils ont comme un petit peu un drôle de rôle. Puis Eshin, je vais toutes les mettre ensemble. Ça tire beaucoup, ça peut courir, ça peut tirer, ça a beaucoup d'attaques. C'est à peu près ça. c'est pas résistant, c'est pas des bons tirs, c'est souvent pas des bonnes attaques. Ça a un bravery qui est pas meilleur que les autres. Fait que c'est un peu homogène, comme les unités Shin sont pas mal homogènes dans leur. C'est ça, exact. L'assassin, pour vrai, il est 100 points, puis ça fait aucun sens, là. Il est vraiment, vraiment pas bon. Il n'a aucun concept d'assassin. Il fait rien de spécial contre les héros. Ça fait aucun sens. Puis les Gutter Runners, ceux qui sont comme l'élite un peu, là, sont bien. Parce que eux, dans le fond, ils ont des attaques au corps à corps avec Drending. C'est la seule unité spécialisée qu'en Horde, ils ont un discount. Puis ils peuvent partir comme se déployer à 6 pouces de l'ennemi. Pardon, à 9 pouces de l'ennemi, mais à 6 pouces du bord de table. Fait qu'il y a un petit peu des trucs comme ça, mais c'est beaucoup de points pour des performances qui sont assez so-so. J'ai en tête de me faire une armée Shin. Je vais tester ça un peu, on verra qu'est-ce que ça en est, mais je pense pas que c'est pas une mine d'or. On va l'appeler comme ça. On pourrait dire ça. Mais tu disais que ton objectif, c'est d'avoir une armée de chaque clan. Ouais, c'est ça, exact. C'est toujours un peu comme le côté. C'est ça, tu sais, je suis bien un fanboy de Game Workshop, et je me dis, ah, ça serait le fun. Puis là, tu as tes options. Puis, tu sais, le feeling, parce que je trouve les règles de ce qui est là, c'est ça qui est cool, c'est que le flavor est vraiment là. Joue Molder, là, j'ai l'impression d'envoyer des créations horribles sur l'ennemi, puis d'en ramener à l'infini. Puis, tu sais, fait que les règles sont bien. Fait que, peu importe ce que je joue, même si c'est pas tant bon, ça va être trop. Puis je vais overloader tout, puis je vais en perdre la moitié par moi-même, puis c'est la vie. C'est ça qui est le fun pour ça. Un vrai joueur Skaven dans l'âme. Ah, c'est ça, tu passes pas à côté, en plein ça. Sinon, ben, pour finir, on a les Endless Spells. Le Vermintide, je dirais rien d'autre que ça bloque le mouvement. Je pense que c'est un bon spell. Je pense que ça brille particulièrement contre des armées, exemple comme les Fire Slayer, qui n'ont pas moyen de les enlever, puis c'est vraiment une grosse plaque. Je pense que ça se limite un peu à ça. Le Warp Lightning Vortex, j'en parlerai pas, là. Je pense que tout le monde sait un peu quoi, là. Maintenant, les Caradhrons en jouent tous, fait qu'on sait quoi. Je pense que le coup en point, je l'aurais laissé à 100 points, là, pour être franc, là. La descente à 80 avec le fait qu'on le met à 13 pouces. Ça fait pas de sens parce qu'à cette heure, tu vas juste le bypasser en faisant Skitter Leap. Tu sais, fait que je comprends pas trop. Puis le vrai gagnant de tout ça, là, si je suis franc, c'est la Bell of Doom. C'est 40 points. Puis la seule règle qui est importante, c'est que si elle est en dedans de 13 pouces d'une unité Skaven, puis j'ai bien dit en dedans de, fait que pas au complet. Ça n'a pas besoin d'être Holy Witten. S'il y a un seul modèle, l'unité est immunisée au Battle Shock. Fait que la bulle est tellement grosse que la réalité, les joueurs Skaven, je suis le seul que tu sais, je vois de manière steady qu'il la joue vraiment. Mais c'est aussi parce que je joue beaucoup de Horde. Fait que je fais un Conga Line. J'ai un modèle qui est à l'intérieur de 13 pouces. Je suis immunisé de tout. Puis la cloche est tellement dans le fond de la map que personne n'a de portée pour la dispeller à part Croak ou tu sais, des héros qui disparaissent partout, là. Mais c'est tellement loin que moi, j'ai aucun stress pour la faire dispeller à 30 pouces. Puis j'ai mes immunités. Pardon, mes unités qui sont toutes immunisées. Okay. Vraiment un super bon spell. Pas dur à caster. Je pense que c'est 5 ou 6, 40 points. C'est là dans toutes les Puis, listes. le fait que ce ne soit pas entièrement à 13 pouces, mais juste à 13 pouces, même si tu as une grosse unité qui avance, tu peux laisser juste un petit cordon traîner pour que tu aies un de tes modèles qui soit à 13 pouces. Fait que c'est vraiment super ça. Exact. Hey, je remarque, je t'écoutais parler depuis tantôt, les habiletés, des unités, tout ça. Les Skaven, c'est vraiment une armée qui a une certaine une capacité quand même impressionnante à générer des mortels, donc des blessures mortelles. Tu as différentes options, tu en as au tir, en magie, etc. Puis je pense que ça fait une de leurs forces aussi dans le méta actuel, là.
Définitivement. T'sais, je pense que c'est une armée qu'on voit qui se classe souvent, c'est pas du top tier, là, comme on pourrait appeler. Mais je pense que leur force vient vraiment effectivement de ça, de toutes les tactiques. T'sais, c'est dur d'arriver et de te dire OK, je suis prêt. Parce que de un, c'est dur de prévoir tous les scénarios. Puis de deux, puis ça, on en a parlé tantôt, c'est que c'est une armée qui est imprévisible. Puis c'est une tactique, là, c'est une façon de jouer, mettons, OK, oui, dans les listes, mettons, comme quand j'ai joué contre toi, Vincent, c'était une liste stable. T'sais, je peux dire que ça, c'était, mettons, à part les Rattlingon, c'est une liste qui est stable. T'sais. Mais il y a des listes que des fois, je me fais, je me dis, OK, regarde, je me mets quatre Doom Wheels. Parce que c'est une unité qui est tellement. Qui va avoir des fois des pics dans sa performance. Mais quand je suis sur le haut de la vague, là, je me dis, OK, là, c'est le temps que je capitalise sur ma chance. C'est un peu, des fois, une façon de faire une tactique. J'arrive avec aussi, mettons, finalement, mes canons, ça a super bien marché. Mais c'est ça, tu sais, je me dis, OK, je vais capitaliser là-dessus. OK, comment je peux exploiter la chance que j'ai eue là? Puis des fois, ça fait des choses qui n'ont aucun sens, puis il faut vivre avec. Mais il y a ce côté-là, un peu wild card, là, des Skaven, que tu vas commencer un match, tu sais pas où ça va aller des fois, là, c'est ça qui arrive, là. Ouais. Ouais, tu disais, Guillaume, que les Skaven sont pas top méta actuellement. J'ai sous les yeux, là, je comptais. J'ai tous les tournois qui ont eu lieu à travers le monde depuis le 1er août et qui comptaient au moins 5 parties. Puis la meilleure position que les Skaven ont fait, donc dans ces 21 tournois-là, c'est deux fois un troisième place. Ils ont un quatrième place puis deux cinquièmes places. Donc on voit que ils sont capables de gagner des parties, mais ils sont plus du tout au niveau top méta, là. Il n'y a aucune victoire, aucune deuxième position en 21 parties, en 21 tournois dans les 2 derniers mois, là. Oh, c'est ça, exact. Et puis tu le vois, le flip s'est vraiment passé, entre autres, quand ils ont descendu le Endless Spell. Je veux dire, tu sais, c'est correct, là, parce que si on est franc, ça faisait aucun sens. De mettre ton héros, mettre à 26, affecter à 7, ça faisait aucun sens. Ça fait que c'est bien. Je pense que c'est une bonne modification. Je pense qu'il y a des hausses de points qui ont eu lieu, qui n'auraient pas dû avoir lieu, qui fait que globalement, ça affecte durement l'armée. Sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas nécessairement en exploitant leur vraie force. T'sais. Je pense que, à l'image de certains jeux, c'est une armée qui est très contrôle. C'est, ça paraît pas. Parce que souvent, tu te dis, OK, j'ai un potentiel destructeur, OK, je peux faire 30 wounds dans cette unité-là. Oui, mais c'est parce que tu peux tellement y empêcher ton adversaire de faire les actions qu'il veut faire, elle a ta force. Puis c'est pour ça que, dans le fond, souvent, je joue pas vraiment en bas de 100 figurines. Parce que ce contrôle-là, j'en ai besoin. T'sais. Puis c'est ça qui va permettre de moins sélectionner mes combats que je veux vraiment. Ça va me permettre de sélectionner mes cibles que je veux vraiment. Ça va me permettre d'empêcher l'autre de tirer parce que des fois, puis c'est pas rare, puis Vincent, tu l'as expérimenté, mes héros sont à une distance que l'autre peut même pas tirer avec des tirs à 18 pouces. T'sais, souvent, souvent, des bons tirs sont. C'est comme un peu un sweet spot de se dire, OK, à 18 pouces. De toute façon, à 30, ça, je m'en soucie pas parce que peu importe ce que je ferai, je vais me faire tirer. C'est pas grave. Les tirs à 24, souvent, 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 ce n'est pas des tirs qui sont comme oh, vraiment super, super excellents. T'sais. Les tirs à 18, c'est souvent comme bon, OK, il y a le risque qui est là, fait que il faut que ça paye, c'est des tirs puissants, mais je peux tellement avancer que j'ai un buffer où mes héros ne seront même pas touchés. T'sais. Puis si tu veux tirer dans 40 km, ben, super, c'est parfait. T'sais. Moi, je suis super content. Puis tu sais, les listes où est-ce que vraiment, tu sais, c'est comme mettons, j'avais 2 fois 40 km. Une fois, à ce moment-là, 40 Stormvermin, une fois 40 Plague Monk, puis après ça, 20 Gutter Runner. Là, je veux dire, la carte, là, y a plus un espace. Là, puis c'est drôle parce que je jouerais contre un Caradron, il ne peut même pas placer son Endless Spell dans ma zone de déploiement, tellement que j'ai de monde qui sont collés. Ça donne une idée à quel point, je veux dire, là, c'est sûr qu'il est dans le top du contrôle, puis il faut aimer jouer les hommes, mais tu sais, quand tu pratiques. Puis, ben ça, on l'a expérimenté. On a fait nos 5 tours. Puis, dans le tournoi, j'ai fait toutes mes parties, j'ai fait mes 5 tours. Puis, j'avais, dans cette armée-là, j'avais 115 figurines. Puis, tu sais, j'ai pas eu de problème. Puis jouais-tu Skaven aussi au Grand Clash? Au Grand Clash, ouais, je jouais à Skaven Puis, aussi. as-tu réussi pas mal à jouer 5 tours dans les 6 parties du Grand Clash aussi? Ouais, toutes.
Tu as toujours joué 5 tours. Oui, ben, tu vois, moi, j'ai joué Legend of Grief, fait que j'avais aussi beaucoup, beaucoup de modèles. Puis j'ai eu de la misère à finir mes 5 tours, même si pourtant j'avais pas l'impression de jouer lentement. Mais toi, tu dis, quand tu connais la liste comme il faut, tu es capable de jouer 5 tours, même avec la grosse horde. Oui, exactement. C'est sûr que si je compare avec Legend of Grief, je n'avais pas des modèles, de un, puis j'ai pas tout le temps ma save non modifiée. Fait que quand l'autre attaque avec 10 attaques, souvent j'attaque, tu sais, j'enlève 10 fait que c'est un peu plus expéditif. Ça, Tu c'est roules vrai. moins de dés, là. Exactement. Puis tu sais, c'est ça. Souvent, mon calcul est automatique. Tu sais, j'en avance, je sais que l'autre a tant d'attaques. Je sais, tu sais. Je prends souvent le top stat, puis je me dis, OK, je vais perdre sur Clan Rat, puis ça fait partie de mon plan. Fait que, c'est vraiment à voir souvent, mais définitivement, là, je pense que le mouvement des hordes aussi, puis tu viens apprendre des trucs aussi. T'sais, mettons, ça, c'est un truc que je garde depuis longtemps, vu que j'ai tout le temps joué horde, mais toutes mes dés de mon côté sont tout le temps à paquet de 5. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, quand je joue, mettons, OK, ben, j'ai 20 attaques. OK, ben, tu sais, dans ma tête, je compte pas 1, 2, 3, 4. Non, c'est 4 paquets. Flat. Puis tu lances. Puis à chaque lancée d'après, ben, tu sais, la discipline de me refaire tout le temps mes paquets de 5. Fait que ça fait que, OK, je prends peut-être comme quelques secondes pour faire ça. Mais quand j'ai 30 attaques, c'est pas long. Tu sais. Puis je sais, mettons, que dans mon pool, j'ai 36 dés. Fait que je mets tout le temps mon 36e à côté. Quand, tu sais, fait que ça roule vraiment plus vite. Puis à un moment donné, tu sais, t'en viens à apprendre ces trucs-là. Puis, c'est ça, tu sais, je veux dire, je peux pas faire autrement. Je jouais Legion of Nagash, c'était 120 squelettes. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime faire. Fait que, tu sais, au fur et à mesure, tu développes ces trucs-là. Puis au début, je jouais avec excusez-moi, là, je cherche le terme, là, des plateaux là, pour le mouvement en tant que tel. Ouais, movement tree, ouais. Oui, c'est ça, exact. Les mouvements, tu fais, j'ai juste en anglais. Puis tu perds tellement de ce que fait que les Skaven sont bons, que ça sert à rien de jouer avec ça. La réalité est vraiment là. Puis, tu sais, moi, je tiens à dire que c'est vraiment ma façon de jouer Skaven. Il y en a qui aiment ça jouer les monstres, il y en a qui aiment ça jouer les Vermin Lords, ils aiment ça les abominations, puis ils jouent juste des gros monstres. Ça se fait. Mais tu sais, moi, je trouve que le plus grand potentiel, où est-ce que je peux vraiment retirer tout, tu sais, parce que les allégeances, la réalité, c'est que je veux les exploiter. Chacune qui est là, là, je vais m'en servir. Puis pour m'en servir, j'ai l'impression que je vais plus m'en servir si je me sers de Horde. Puis je pense que c'est une des forces des Skaven quand je regarde leur coup en poing. Puis tu sais, c'est comme, c'est une surface, c'est pas une surface, mais une facette du jeu qui est moins facile à capter, le contrôle. Ouais. C'est comme tu dis, OK, ben, tu sais, je peux tuer tel genre d'unité. Ça, c'est simple. Tu sais, je me dis, OK, j'ai tant de probabilités. Ben, c'est simple. Tu sais, j'ai tant de probabilités, je sais qu'exemple, je peux faire tant de choses. Tu sais, où est-ce que je peux empêcher mon adversaire d'aller? Qu'est-ce que je peux y empêcher de faire? Ça, des fois, c'est moins tangible, puis c'est moins. Chaque adversaire, c'est différent, puis chaque partie est différente. Parce qu'à un moment donné, tu vas te placer à tel endroit, puis ben, tu sais, si tu roules un 6 pour courir, bon, ben là, OK, go, là, j'y vais, puis je prends toute la place, puis je viens de refuser un flanc gauche complet. Puis pour faire quelque chose, ça va y prendre 3 tours. Là. Puis ça, il y a des façons aussi, là, c'est un peu dur parce qu'on est juste en live, là, mais il y a des façons de charger avec tes clan rats pour détruire un plan de l'ennemi au complet. Là, le mouvement de dire, OK, ben, je roule 2d6, je pogne 8. Ben, ça y est, là, ton unité de cavalerie, là, je vais envoyer un clan rat qui va être à 2,9 pouces, qui va rester là tout le long. Puis moi, quand j'en aurai besoin, je vais juste fuir charger. Je vais recommencer la même tactique plus loin. Je vais aller prendre ton objectif. Mes gars seront même pas morts. Il m'en reste un chez Minzo Battleshock. Je te bloque 3 unités. Fait que, tu sais, il y a vraiment cette option, cette facette du livre Skaven, je pense, qui se passe par les hordes en tant que tel. Donc, peut-être à quoi ressemblerait une des listes là, que la liste typique que tu jouerais avec cette tactique contrôle horde-là? Ben, je pense que le typique, ça serait première la Doom of Bell. Dans le fond, excusez-moi, pas la Bell of Doom, la cloche Doom. Fait que ça peut être autant le Greasier que le Endless Spell à 40 points. Je pense que le Endless Spell à 40 points a définitivement sa place. D'autant plus qu'il y a beaucoup de sorts que souvent l'ennemi va vouloir enlever. Fait que, en choisissant les sorts qu'on passe en premier, exemple Death Frenzy, ben la personne, si elle a un dispel automatique, elle va le mettre là-dessus beaucoup plus que sur ton petit de l'espèce à 40 points. Donc la réalité, c'est soit ça ou avoir plusieurs command points. Fait que je pense que les Vermin Lords, c'est une trap. Pour l'instant, c'est pas la voie à prendre. Minimalement, 2 paquets de Clan Rat. On passe par côté. Un paquet de 40 Storm Vermin.
Ça, je pense que c'est comme pas mal le minimum. Si on va après ça sur le support, là, souvent, comme on en parlait tantôt, c'est un paquet plus qu'on sait qu'on va devoir faire un babysit. On ne pourra pas les comme les tripler là, en tant que tel. Fait que 6 Stormfiend, mais il ne faudrait pas que ce soit avec 9 Jezzers. Si on tandis que si on prend des Jezzers, je pense que ça pourrait être bon, deux paquets de 6. Ça fait une bonne base de tir. On met un ingénieur au milieu qui booste les deux. Je pense que ça peut être aussi un bon plan. Sinon, deux canons avec deux ingénieurs, là, ce qui est comme pas nécessairement si loin que ça en points. Je pense que ça va être un beau boost. Puis je le sais, présentement, c'est pas très méta pis tout. Mais beaucoup d'héros. Beaucoup de petits héros à pied, ça peut être bon. Puis je pense que c'est une façon que j'ai de jouer ce Skaven, d'avoir beaucoup, beaucoup de threats. Beaucoup, beaucoup de petites menaces à plein de places. Que là, tu te dis, OK, là, il faut que je claire quatre lance-flammes, faut que j'enlève trois ingénieurs, puis en plus de ça, il y a Tankwall. Puis il y a une cloche, puis il y a 40 Storm Vermin, puis il me bloque toute la carte, puis je peux pas aller là. C'est ça le but. Il faut que c'est comme c'est une overload là, de choix qui fait qu'à un moment donné, ben là, tu peux plus porter sur rien. Fait que c'est sûr que si on a Tankwall, on n'a pas un Greasier sur cloche. Là. Fait que c'est un peu un ou l'autre. Souvent, je pense que la stabilité va faire qu'on va pencher pour la cloche, le Greasier sur la cloche, qui est dans le paquet Storm Vermin. Ça, c'est un peu un classique, là. De se faire traîner puis d'amener ça tout le long. Je pense que ça peut faire une très bonne base de liste. Puis après ça, c'est un peu au goût du joueur en tant que tel, je sais. Bien, beaucoup de héros aussi pour être capable de maximiser les synergies dont on parlait tantôt, là, qui font aussi la force de l'armée puis qui font que tes unités qui sont bonnes deviennent excellentes. Tu as du tir, de la magie, c'est un peu ce que Vincent disait en introduction, je pense. Les Skaven, c'est une armée qui te permet de jouer dans toutes les phases du jeu. Mm-hmm. Qui est vraiment intéressante. Tu as de la magie, tu as du tir, tu as du board control, donc la phase de mouvement est extrêmement importante. Mm-hmm. Tu peux te battre au corps à corps aussi. Fait que c'est vraiment une belle armée qui semble le fun à jouer. T'sais, je compare à d'autres armées qui n'ont pas de magie ou pas de tir ou tout ça. Toi, tu joues vraiment dans toutes les phases. Là, c'est vraiment bien. Oui, exact. Ben, c'est un livre qui est complet. Puis après, c'est qu'on fait c'est 2 heures aujourd'hui, puis je pense qu'on a comme entre guillemets effleuré même certains points, mm-hmm. certaines tactiques et tout. Puis c'est dur d'aller en profondeur. T'sais, c'est un livre qui vient d'une ancienne édition, fait qu'il est arrivé avec beaucoup, beaucoup de figurines. Il y en a qui passent entre le radar, puis ça paraît là, quand on les joue. Puis il y en a qui, à l'inverse, ils se sont fait un peu trop ramasser. Mais puis aujourd'hui, ce qu'on a dit, là, c'est une façon de le voir. Là. Après ça, il existe une multitude de choses. Puis c'est vrai que tu pourrais éviter complètement la force de magie puis l'investir en points, faire une liste de molders, faire comme « Ah, quatre abominations! » Tu sais, c'est pas facile à gérer non plus. Fait que c'est ça, mais je pense qu'effectivement, c'est une armée projet, entre guillemets. Tu sais, tu peux pas te dire « OK, je vais faire une winning list où est-ce que je vais ramasser tout le monde. » Mais tu sais, c'est une armée que quand tu vas investir, tu vas avoir un retour, ça va être le fun. Puis il y a des parties que tu vas perdre tout le monde par toi-même. Ou tu vas tuer tes bonhommes, mais mieux voir. Il faut être prêt à vivre avec le hasard des dés beaucoup là, quand on joue Skaven. Il y a des parties où ça ira pas du tout juste parce que les dés ont décidé que ça allait pas. Là. Exactement. Ben, moi, en fait, pour avoir affronté Skaven 2 fois là, dernièrement, j'ai trouvé que ça rajoutait quelque chose de le fun parce que quand l'adversaire qui joue Skaven déroule ses dés, il y a comme une excitation des deux côtés. Tu disais, ça va peut-être faire mal, mais tu vas peut-être te péter, là, tu vas peut-être te l'exploser tout seul sans même que j'ai besoin de faire de quoi. Ça rajoute un petit piquant au roulement de dés. Oui, c'est ça. Définitivement le côté random, oui. Oui, puis en même temps, c'est une armée qui est très gratifiante, je pense, pour que le joueur qui la pilote, parce que c'est une armée qui est quand même complexe à jouer, à tout le moins de la manière dont toi tu la joues. Donc vraiment, quand tu gagnes des parties, puis quand tu joues bien, c'est très, très gratifiant parce qu'on voit que tu peux vraiment faire des belles choses avec cette armée-là quand tu la comprends bien. Oui, mais c'est ça, exact. Des choses surprenantes, tu te dis, OK, tu sais, puis c'est vraiment pas mauvais, tu sais, puis c'est le conseil que je donnerais à chaque joueur de se dire, de pas se fier à ce qui t'écrit, tu sais, sur le papier, tu te dis, ouais, tu sais. Mais c'est des fois, c'est quand tu mets toutes les choses ensemble, puis tu retravailles, tu te jouais tout à la même minute, à un moment donné, tu fais comme, OK, ouais. Parce que là, tu sais, faut que tu penses aussi, parce que si, exemple, ton général, c'est celui qui booste tes weapon team, mais c'est pas lui qui va booster ton canon, là, parce que lui, le canon reste en arrière, tes weapon team vont à l'avant. Fait que des fois, là, juste de mettre même tes figurines sur la table, tu fais comme, OK, ouais, non, ça marchera pas comme tactique, c'est sûr que non. Fait que, tu sais, ça te permet de construire ça, là, puis c'est pour ça, c'est un beau plus, mais
c'est des étapes à faire, puis je pense que la pratique va vraiment permettre de mieux capter l'armée en tant que telle. Ouais. Je pense que ça fait le tour un peu, là. Même si on a juste effleuré, comme tu dis, je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon. Est-ce que tu avais un dernier commentaire peut-être sur l'armée avant de conclure? Ben, pour être franc, tu sais, il y a des, on voit souvent sur les forums, puis on voit les rumeurs qui s'en viennent et tout. Je pense que j'ai juste hâte de voir un peu là, qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. T'sais, en tant que joueur, que ça fait longtemps qu'il est là-dedans, je m'imagine tout le temps comment je pourrais réécrire le War Scroll, que ça soit vraiment cool, super flavor et tout. Je pense que j'ai juste hâte de voir ce qui s'en vient pour le futur, puis de, tu sais, j'anticipe positivement. Je pense qu'une armée qui est là pour rester, ça fait partie de l'image de Game Workshop, les Skaven en tant que tel. Fait que je me sens bien servi, heureux de jouer ça, puis j'ai juste hâte au futur, je pense. Oui, puis je pense qu'ils sont là pour rester parce qu'ils ont toujours une place dans la storyline. Tu sais, je pense que c'est à cause d'eux que la pyramide de Nagash n'a pas fonctionné, puis qu'on a eu les Endless Spells, puis tout ça. Donc, ils sont pas évincés de la trame narrative, donc ils sont là pour rester. Effectivement, malheureusement pour toutes les autres races, ils sont là pour rester. C'est de la vermine, hein? On s'en défera jamais. Ben exactement, exactement. Merci beaucoup, Guillaume. Merci aussi à Yann d'avoir été là. Merci, Guillaume. Sur ça, moi, je vous souhaite un bon Wargaming. Yes, merci, bye.